face, I'm heavy that it shakes through the face of the building. Won't you come film? I'm at my maker, bottom of a lake, where I caught all the colors, but your heart's made of rubber. I'm done. I'm mistaken for my lover, your heart's made of rubber. I'm done. Caught all the colors, your heart's made of rubber. I'm done. How long will they sway on my mind? My heart sings in black and white. Caught all these colors, but I can't find a lover who loves me back. I'm heavy as a heartbreak. 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 Oh,
Salut à tous, je sais pas si vous m'entendez, normalement c'est bon. Juste regarder si le son est ok. Ouais, ça a l'air good. Je vais remettre rapidement la musique. Pas trop fort quand même. Hop. Ça a l'air pas mal comme ça. Hop, dites-moi si c'est bon. Ouais, c'est bon, nickel. Salut, salut à tous. Ça va être cool ce soir. On va avoir pas un abonné, mais une abonnée. C'est la première depuis le début. Donc c'est bien. En tout cas, Bitcoin aussi, vous allez voir, je vais faire un peu d'analyse technique là. Et à 21h30, il y a l'abonné qui va venir. Merci pour tous vos subs là, vous étiez nombreux. Didi the Warrior. Marlou. Marlouf Crypto. Kefran94. Suricat Sidéral. La Bruse. Titeuf 1200. Piment d'Espelette. Oh là là, vous êtes ces pseudos, ça me tue. Merci en tout cas. Je peux pas mettre des musiques que je veux. Par exemple, Queen, là, comme tu dis, je peux pas le mettre. Parce qu'en fait, c'est copyright. Et sur Twitch, j'ai pas le droit de mettre des musiques copyright. Parce que je me fais bannir direct. Donc ça fait chiant. Je peux rester que sur des musiques un peu entre guillemets pourries qui sont non copyright. Faut pas avoir de problème. Ah oui, Asher est passé sur BFM. Ah, j'ai pas vu. Faut que j'aille voir. C'est BFM Business, ouais. Ouais, c'est ça. Je les regarde tous les vendredis, cette émission. Ouais, ça regarde. Bah, regardez, c'est la dernière vidéo. Il y a 4 heures. Il est passé dans BFM Business? Non. C'est normalement c'est avec Nicolas Chéron et donc c'est lui là Nicolas. Alors pas lui hein. Lui là. Et Grégory Raymond. Mais est-ce qu'il y a eu Asher? J'irai la voir de toute façon après. Ah ouais. Oh il est chaud. Notre notre comment on pourrait l'appeler? La personne qui a réussi à mieux démocratiser les cryptos en France. Ah c'est cool, bah j'irai la regarder tout à l'heure. À mon avis c'est pas mal. C'est bien que BFM Business ils font ça. Et vous voulez voir un bon petit truc? À mon avis il n'y a pas beaucoup qui l'ont vu. Regardez, si vous allez sur la vidéo d'hier, n'oubliez pas de mettre les likes les gars. Vidéo d'hier, regardez ça. Commentaire d'Asher. Oh ça c'est cool. Et en plus il a dit on attend de voir l'accélération du Bitcoin. Et regardez ça. Si c'est pas beau. En vrai j'ai fait un perfect dans la vidéo d'hier. J'ai vraiment fait un perfect. Où est-ce qu'il est le moment? J'ai vraiment fait un perfect. Regardez ça. Dans mon scénario, pour moi, c'était baissier pour retourner sur le biseau ascendant, rebondir sur la moyenne mobile et repartir au niveau de la hausse. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Non, je rigole. Mais en gros, ça a été pas mal, hein, franchement. Regardez ça, c'est hallucinant comme ça a été précis, quoi. On est pile revenu dessus, on a rebondi sur le biseau ascendant, sur la moyenne mobile et on repart. Et c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, je sais pas quoi vous dire. Bon, après, ça arrive pas tout le temps, mais bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah ouais, il y a Binance Smart Chain aussi. Vous allez voir, la semaine prochaine, il y aura un abonné qui a sécalé en tout ce qui est Binance Smart Chain, il m'a dit, donc c'est cool de l'avoir. Je me suis intéressé à fond hier soir. Hier soir, les gars, je me suis couché, je vous promets, 4h du matin, je vais me coucher, je me suis dit, allez, c'est bon, arrête tes conneries, il faut que tu ailles dormir. Je vais dormir, et ça me trottait tellement dans la tête, cette histoire de Binance Smart Chain, que au bout d'une heure, je tournais dans mon lit, j'arrivais pas à dormir. J'ai fait, allez, c'est bon, je retourne, j'ai rallumé le PC, et j'ai refait à fond jusqu'à 7h du matin. Et après, c'était pareil, j'arrivais pas à dormir, c'est un truc de fou. Parce que je faisais que penser à Binance Smart Chain. Mais du coup, ça m'a un peu retourné le cerveau, et franchement, c'est de la folie. Regardez déjà, juste le BNB, 70% aujourd'hui. Le CAC, il a fait 45% une journée. Je sais pas quoi vous dire. Et il y a Vénus aussi, 15%. Et il y a aussi Autofarm, mais il est pas dans la liste. En tout cas, c'est ultra bullish. Et ça me fait vraiment penser en fait à la DeFi. La DeFi au niveau d'ETH, pour ceux qui étaient là, était 2020. Mais c'était de la folie aussi. J'ai vendu mon BNB à 314. Ah, je pense pas que t'as bien fait. Hein. Personnellement, j'aurais gardé. Parce que je pense que BNB il peut aller taper les 500 voire les 1000 dollars d'ici quelques semaines, à mon avis.
Après, faut s'attendre à une correction aussi au court terme. Donc attention à ça. Mais en tout cas, les gars, le BNB, c'est de la folie. J'en ai acheté à 7$. Parce que c'était par ici. Et j'en ai racheté après le coronavirus à 15$. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est abusé. Malheureusement, j'en avais pris pour que dalle, quoi. À peine 100 balles. Mais je les ai encore sur mon compte Binance. 5000%. Mais les gars, 5000%, c'est énorme. 5000%, c'est un fois 50. C'est énorme, vraiment. Ouais, il vient de faire x10 en 2 semaines, c'est pour ça, faut faire gaffe. Si, si, ouais, 10 000, les 1000$, c'est possible. Ah ouais, largement. Tout dépend de l'engouement, si tu veux. Parce que, en termes de supply, il est à peu près le même que Ethereum. Après, je dis pas qu'il va dépasser Ethereum, mais c'est possible. Le temps que Ethereum se mette en place, Tesh 2.0, c'est possible que Binance. Il y a tellement une pression acheteuse derrière, il y a tellement de. Comment dire. Il y a tellement de personnes qui veulent utiliser la finance décentralisée avec peu de frais. Il y a tellement de demandes, en fait, que Binance, il tombe à pic. Le temps que Tash arrive. Donc tu vois ce que ça a donné, mais en tout cas on a deux géants qui se battent là, c'est vraiment intéressant. Et assez hallucinant. Je suis content de m'être positionné sur CakeSwap là il y a plus d'une semaine. Ça fait plaisir. Ah oui, d'ailleurs, regardez, je vous avais montré ce. Ouais, du coup, regardez. Donc là on a Asher qui passait sur BFM. Il nous a laissé un petit com sur la vidéo, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, rappelez-vous, lundi je vous ai montré ce petit trade que j'ai mis sur FMX. Du coup, pour l'instant, il se déroule plutôt pas mal. J'ai 400 de bénéfices. Et rappelez-vous, j'avais mis mon. Pour ceux qui étaient là, j'avais mis mon take profit à 55 000$. Et finalement, je l'ai enlevé mon take profit cet après-midi. Et j'en ai pas mis. Je voulais mettre à 60 000$, mais en fait, je vais le laisser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon stop. Ça, c'est une technique que j'utilise aussi parfois. C'est-à-dire que là, mon stop, il est ici à 50 000. Mais après, live, je vais le monter. C'est-à-dire que je vais le monter vers les environ 51 000. Du coup, si le cours retombe, eh ben, j'aurai rien perdu, rien gagné. Et si le cours monte encore, par exemple, s'il monte à 60 000, eh ben, je mettrai mon stop à 55 000. Au moins, s'il continue à monter, eh ben, je continue à monter mon stop. Et du coup, le jour où il se retourne, eh ben, là, paf, je me fais prendre mon stop. Mais c'est pas grave parce que je l'aurais monté en même temps que le cours il monte. Donc, ça, c'est vraiment une bonne technique. Mais le à 70 000. Ah ouais, tu penses? Bah, en vrai, si le cours il monte à 70 000 et je monte mon stop au fur et à mesure, normalement je pourrais l'atteindre. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai mis un levier x10, quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est surtout que je vous conseille vraiment pas de le faire. J'ai fait avec un tout petit pourcentage de mon capital, c'est même pas 0,05%. Faites vraiment, vraiment gaffe, les gars. Prenez pas de risques démesurés avec du gros levier. Vraiment, vraiment. Faites super gaffe à ça. Et j'ai aussi deux leviers. Alors, eux, ça fait longtemps que je les ai mis sur Bybit, mais ils marchent plutôt bien. J'en ai mis un sur. Sur Bitcoin, pour l'instant, je suis à 6300 de gains en dollars et 4300 sur l'ETH. Et par contre, c'est du levier x2. Donc, beaucoup moins risqué, mais c'est avec des capitales un peu plus conséquents. En tout cas, ça se passe pas mal. Dodo, je sais pas ce que c'est. Maker, je sais pas trop ce qu'il donne. Merci Bikafou34 pour ton sub. Et le duc de Saint-Laz, qui envoie 100 bits. Salut Troubi. Toi, tu seras un des invités aussi. On a vu ça avec Pepero. Ouais, le Dot, j'en parlais. Litecoin. Ah oui, Litecoin. On avait vu un éventuel trade à mettre sur Litecoin. J'ai même pas suivi, je l'ai même pas mis. Je sais pas ce que ça a donné. Il avait fait un W, en fait. Ah, le stop a pas été pris. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans le dernier live, j'avais parlé de ce trade qui était éventuel à faire. Parce que tout simplement, on avait. Ok, je l'ai mis comme ça. En fait, si vous voulez, on était par ici au niveau du cours et on avait un W qui était en train de former. Donc vous pouvez viser en termes de target par ici. Et ça faisait un bon petit ratio 2, 3, 4. Et on a mis le stop loss juste là. Du coup, vous voyez que le cours est quand même descendu. Et finalement, on n'a pas pris notre stop loss. Donc pour l'instant, il est toujours good le trade si vous l'avez pris avec le stop loss à cet endroit. C'est toujours bien de mettre un petit stop loss de 4-5%, ça laisse un peu de marge. En tout cas, ouais, ça va, le LTC pour l'instant, c'est aussi. Après, tu vois, LTC, c'est pas. J'en ai un petit peu en portefeuille long terme, mais c'est pas du tout sur lequel je vais investir au niveau du court terme. Merci Archibats pour tes bits. Mais salut Pile. Ton plus gros gain depuis tes débuts, c'est quoi? Bah, ça dépend en termes de pourcentage ou en termes de gains dollars, tu vois. Euros. Parce que plus j'avance, plus tu vois, j'ai mon capital qui grossit. Donc plus mes gains deviennent gros en dollars.
Par contre, en pourcentage, bah, je dirais que c'est le deck. Je pense. En termes de time frame aussi, en peu de temps. Je pense que c'est le deck. Où est-ce qu'il est? Je sais pas si t'étais là il y a une semaine environ, 2 semaines. Non, il y a 2 semaines, je dirais. Il y a 2 semaines, ça doit être un samedi ou un dimanche, j'avais présenté sur la chaîne cette crypto. Et c'était. Alors, c'était où? C'était le 7 février, ouais, c'est ça. Tu peux aller voir la vidéo du 7 février. Ou alors par ici, dans les alentours, 7-8 février. Et j'avais présenté cette crypto sur la chaîne. Et j'étais rentré avec à peu près 1 000 $ dessus, en fait. Et le truc, il a pump d'un seul coup. Et j'ai revendu, alors pas tout en haut parce que c'est impossible, mais j'ai revendu par ici. Et j'ai fait 3 300 € de bénéf. Et j'ai revendu à 4 300. Du coup, j'ai fait 3 300 de bénéf sur mes 1 000. Donc au final, j'ai fait plus de 200, pratiquement 300% en 48 heures. C'est l'un de mes meilleurs trades. Après, j'ai eu un gros coup de chance parce qu'en fait, il y a un Américain qui a parlé de la crypto là ce jour-là. Et du coup, c'est pour ça que ça a explosé. Et vu que c'est une crypto à très faible capitalisation, bah, c'est pour ça que ça a autant explosé. Donc je dirais, ouais, ce trade en 48 heures, 300% quand même, c'est assez rare. Et sinon, bah là, récemment, l'un de mes plus beaux trades, je dirais que c'est CakeSwap. Que je suis rentré exactement sur cette bougie-là, 23 h en plus, je m'en souviens très bien. Et là, ça nous fait quand même 230%. Après, c'est pas en 48 heures, mais c'est quand même en une semaine. Et c'est quand même assez rare de faire autant de gains. Et là, ça fait plaisir, parce que j'ai mis bien plus que 1 000 euros. Donc c'est pas mal. Et je dis pas trop combien j'ai au total en crypto, parce que je sais pas, en fait, personne ne le dit, du coup, je sais pas si ça se dit trop, puis au niveau de sécurité, tout ça. Mais je pense qu'à la fin du bull run, je pense que sur YouTube, je me ferai une vidéo où je dirais en fait tous les gains que j'ai fait, et avec combien je suis parti, combien j'ai fini, etc. Ça pourrait être plutôt cool. Ah oui, il y a Dot, on va aller voir Dot. Merci Trix Prod pour tes 100 bits aussi. On va aller voir le Dot. Il est ici. On va se mettre en daily. Franchement, ça, tu vois, il monte fort, mais il monte pas comme un Binance, quoi. Il monte pas comme ça. Il monte progressivement, donc je trouve que ça reste correct. Par contre, je suis moins fan de tout ce qui est Polkadot, tout ça, tout ce qu'il y a, comment dire, tous les projets autour de Polkadot et tout ce qui est en train de se construire sur la blockchain Polkadot. Je préfère largement la Binance Smart Chain que la blockchain Polkadot. Après, c'est que mon avis, mais je suis moins fan de tout ce qui est Polkadot. Mais à voir, hein, ils ont aussi un très bon écosystème qui est en train de se mettre en place, donc ça peut être pas mal. Tu vois, au niveau du RSI, on est quand même assez haut, et en général, cette zone, c'est souvent une zone où on s'est fait recaler, donc attention. Au niveau du MACD, là aussi, on est assez haut. Ouais, on a encore de la marge pour croiser bearish. Donc ça va. Après, on peut avoir un engouement aussi. En fait, tout va dépendre de l'engouement. Vous voyez que Binance, peu importe l'analyse technique, personne n'aurait pu prévoir un pump comme ça. Et c'est vraiment l'engouement autour de la blockchain qui a fait monter. Et parfois, l'analyse technique est vraiment limitée quand vous avez de l'engouement autour d'une crypto. C'est pour ça que la Binance est montée très fort, mais il peut encore monter à 500 000 $ si encore de l'engouement. Hein. Et logiquement, il devrait encore en avoir. Sauf si ETH nous sort une dinguerie. En tout cas, Dot, ouais, c'est pas mal. Pas trop mal. Il est un peu haut, quoi, mais c'est pas mal. Au niveau de sa configuration. En plus, ah oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est très très intéressant. Vous pouvez mettre les rubans en daily. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on corrige, on revient le tester. Donc, ce que vous pouvez faire, et ce que je vous conseille, c'est si vous voulez rentrer sur DOT et pas acheter au plus haut, c'est de mettre des longs sur le ruban. Donc, là actuellement, enfin pas long, mais un ordre d'achat. C'est-à-dire que vous allez sur Bybit, sur PrimeXBT, si vous voulez, vous avez tous les liens en dessous du live, et vous mettez votre ordre d'achat à 25 $ par exemple ici. Et moi, si le cours prend un crash et il revient, c'est pratiquement sûr qu'il reviendra tester le ruban, il rebondira dessus, comme il a pu le faire de nombreuses fois dans le passé. C'est ce qu'on est tendance haussière. Et du coup, il risque de remonter dessus et de monter. Du coup, votre ordre d'achat va être pris et automatiquement, vous avez gagné. Et s'il continue à monter le cours et le ruban il continue à monter, bah, vous déplacez votre ordre et votre ordre, vous l'adaptez à chaque fois que le ruban monte. Donc ça peut être pas mal. Et bien sûr, vous appliquez cette stratégie, vous êtes gagnant parce que à chaque fois qu'il revient tester le ruban, il repart direct. Tac. Oh, il y a eu le train de la hype. Je sais même pas. Cool. Non, pas de levier sur Binance, c'est la galère. Va sur Bybit, va sur PrimeXBT, c'est 10 fois mieux. J'ai fait des tutos en plus dessus. Tu mets tuto Bybit, tuto PrimeXBT, t'auras tout. Tuto Femex aussi, j'en ai fait un. Femex, Bybit, PrimeXBT, c'est 3 meilleurs. Binance, c'est vraiment la galère, hein, levier. Je déconseille. La montée plutôt lente de TH, bah en fait. Je pense que ETH est un peu à la ramasse en ce moment au niveau de son prix parce que t'as Binance qui prend tout l'argent que ETH devrait prendre, bah c'est Binance qui la prend là.
Mais je pense, tu vois, c'est juste pour du court terme. Enfin, je sais pas. Je sais pas en fait si Binance va être assez gros pour faire face à ETH. J'ai du mal à y croire en long terme, mais au moyen terme, j'y crois. Je pense que durant les prochaines semaines, prochains mois, le temps que ETH mette tout ça en place, Binance va pouvoir prendre beaucoup de parts de marché. Donc c'est pour ça que je mise pas mal sur Binance là depuis quelques semaines. Quelques jours, quelques semaines. Mais à voir, hein. ETH, c'est vrai que j'en ai pas mal aussi, j'en ai vraiment pas mal des ETH. Et on attend de voir. Mais il monte quand même, hein. Il est à 2 000 $, les gars, donc c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas la hausse qu'on attendait. Enfin, on s'attendait à beaucoup mieux là pour un bull run. Il est déjà très bien parti. Après, je pense que voilà, c'est juste temporaire. Ça dépend vraiment de l'engouement, comment ça va se déplacer, si ça se déplace de Binance, Smart Chain, à ETH, etc. Ça fait des cycles un peu. Tu peux résumer à Binance Smart Chain, c'est complexe, c'est très complexe, il y en a partout en fait. Mais en fait, si tu veux, donc toi, tu as la DeFi, ça finance décentralisée, et la DeFi s'est développée sur la blockchain Ethereum. Et ça s'est développé maintenant depuis quelques années, mais tu vois, ça a vraiment fait surface au niveau de juin, juillet, août 2020, tu vois, été 2020. Et c'était de la folie, hein, pour ceux qui étaient là, c'était vraiment de la folie, et tout explosait, tous les tokens de la DeFi, etc., ça explosait. Et du coup, c'était très bien, parce que ça marchait très bien, les protocoles étaient parfaits, etc. Le seul problème, c'est qu'il y avait tellement de transactions, tellement de monde dessus, mais c'est encore le cas aujourd'hui, que les transactions aujourd'hui, pour si vous voulez swapper une crypto à une autre crypto sur, par exemple, Uniswap, eh ben, qui est sur la blockchain Ethereum, eh ben, vous allez payer plus de 100 euros de frais, et ça va être très très long. Et si tu veux, Binance Smart Chain, c'est exactement la même chose que Ethereum, avec toute l'infrastructure qu'il y a derrière pour la DeFi, sauf que là, la DeFi, elle n'est pas sur la blockchain Ethereum, mais elle est sur la blockchain Binance Smart Chain. Et au lieu que ce soit ETH, bah, le token qui gère tout ça, bah, c'est le BNB. Et l'avantage de la Binance Smart Chain par rapport à ETH, c'est que Binance Smart Chain, elle est beaucoup plus rapide, ça prend quelques secondes, et en termes de frais, c'est que dalle. C'est genre 18 centimes. Du coup, il y avait énormément, énormément de popularité, d'engouement autour de la blockchain Ethereum et de la DeFi, parce que c'est totalement révolutionnaire et totalement compréhensible. Mais le fait qu'il y ait énormément de frais, énormément de ralentissement au niveau de la blockchain, que ce soit lent, tout ça, et bien ça a beaucoup freiné les investisseurs, il y a beaucoup moins de monde qui sont apparus. Et du coup, là, le fait que Binance arrive avec beaucoup plus de scalabilité, enfin beaucoup plus d'avantages que Ethereum actuellement, et ben ça permet de libérer un peu les barrières et tout le monde rentre là-dessus, quoi. Mais après, avec les layers 2, tu sais, parce qu'il va y avoir les layers 2 qui vont arriver sur ETH, ça permet de fluidifier un peu toutes les transactions et ça va faire des transactions moins chères, tout ça, donc ce sera peut-être un peu mieux. Donc à voir. Je pense que Binance, c'est peut-être une solution de niveau du court terme, mais après, je sais pas, je suis vraiment mitigé parce que tu vois, Binance, derrière, t'as Binance, quoi. Et Binance, c'est une entreprise. C'est des milliards, ils sont énormes, et surtout ils ont leur token BNB qui est assez puissant parce qu'ils font du burn token, et ça c'est assez énorme. C'est-à-dire que tous les trimestres, ils vont prendre 20% de ce qu'ils ont gagné Binance dans l'entreprise, ils vont l'acheter en BNB et ils vont brûler les BNB. C'est vraiment un truc de fou. Et la fois c'était 600 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est-à-dire que tous les trimestres, ils font 5 milliards de gains, c'est de la folie en vrai. Et ça m'étonnerait pas que le PDG de Binance, l'entreprise Binance, ça devienne l'une des plus grosses entreprises à la fin du bull run. Et vous allez voir qu'à la fin du bull run, si un Bitcoin a atterri à 150 000, 200 000 dollars, vous allez voir Satoshi Nakamoto, tout ça, qui vont devenir les hommes les plus riches du monde. Ça, c'est de la folie. Merci, Iseka, pour le sub offert. Ah oui, Dende. Oh, DNT, je pense qu'il stabilise à mon avis. C'est un peu comme CHSB. Et CHSB, il stabilise. À mon avis, c'est pas bien inquiétant. Hein. 3 bougies, regardez, on a eu bien pire dans le passé. Ça devrait se reprendre. Ce que je veux, moi, c'est les bandes de Boehringer en daily. Ça, c'est parfait. Quand elles sont plates, c'est parfait. Vous voyez que là, regardez, elles ont commencé à stabiliser. Au bout de combien de temps? Au bout de 11, 12 jours environ. Et puis après, ça pétait. Et là, vous voyez, regardez, elles ont pas encore stabilisé, mais ça commence à venir. Donc très intéressant, et je pense que d'ici la semaine prochaine, elles seront aussi plates que là. Et puis après, ça a compressé, puis demain, ça a tellement compressé que ça a explosé. Et DNT, on va y voir DNT. DNT, tu vois, on est encore très loin de la consolidation, tu vois, parce que, regarde, on compresse, ces bandes de Boehringer compressent, tu vois, comme ici, ça explose, là ça explose, là ça compresse, ça explose. Là, regarde ça, tu vois, genre ça compresse pas du tout. Moi, DNT, tu vois, j'ai déjà tout vendu. J'ai vendu une bonne partie ici, enfin 25% ici, après j'ai revendu ici et le reste tout en haut. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir revendre en haut. Mais en gros, ce que j'attends, moi, c'est juste une consolidation. Mais pas
de quelques jours comme ça. Ça suffit pas, clairement pas. Il peut encore descendre et faire comme ça, puis consolider. Ou alors consolider. Mais attends au moins une période comme ça, de 15 jours, je pense, 20 jours minimum. Faut que les bandes Bollinger se resserrent en fait. Et quand elles se resserrent et le cours est très très plat, bah là faut rentrer pour surfer une éventuelle autre vague de hausse. Après, c'est pas une certitude non plus, mais il y a de grandes chances que ça se reproduise. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je tiendrai au courant sur la chaîne. Oh, on est pratiquement 900, c'est cool. On est de plus en plus sur Twitch. CHSB est corrélé au BTC? Bah pas tant que ça en fait. C'est vrai que c'est assez étonnant. Il est pas si corrélé que ça. Regarde si on les compare les deux. Ils sont pas si corrélés que ça, j'ai l'impression. Tu vois mon curseur à... Alors attends, je vais mettre comme ça. Regarde mon curseur, tu vois, à droite, à gauche, c'est exactement le même frame. C'est-à-dire que si je me mets à droite le 17 février, bah tu vois, à gauche, il sera aussi le 17 février. Donc ça, c'est pas mal. Et en gros, si tu regardes, tu vois, le CHSB a explosé, alors que le Bitcoin, tu vois, il stabilisait, quoi, il montait pas trop. Et quand BTC a complètement explosé, tu vois, le CHSB, il a pas fait grand-chose. Bah, il a fait de grandes mèches, mais sinon, il a pas réussi à remonter, quoi. Et dans le passé, tu vois, c'est pareil, il avait consolidé, alors que le Bitcoin faisait que monter. Et il a pété quand le Bitcoin consolidait. Donc c'est vrai qu'ils sont très, très décorrélés. Ouais, après il y a toujours une corrélation au niveau du court terme, c'est-à-dire que si, tu vois, demain le Bitcoin nous fait une bougie, un gros pump, normalement il devrait suivre, quoique tu vois, là le BTC est en train de pump et CHSB il recule, donc il est quand même assez décorrélé, mais tu vois là par exemple pour la bougie qu'on a eu avec Tesla, regarde tu vois, on a explosé au niveau du BNB, puis finalement on a juste fait une mèche. C'est vrai qu'il est quand même assez décorrélé du marché, donc c'est intéressant. C'est pas mal qu'un token soit décorrélé du marché, ça permet de se diversifier, enfin, ça reste dans les altcoins, mais ça permet quand même de se diversifier. Riff, Riff, j'en entends parler de partout. Qu'est-ce que c'est Riff déjà? Vous me l'avez dit, mais j'ai oublié. C'est au niveau de DOT, il me semble, c'est ça? Il me semble que c'est au niveau de DOT. De Polkadot. Ou alors de Binance, il me semble que c'est Polkadot, Riff. Mais je ne trompe pas. Où est-ce qu'il est? Faut que je trie. Ouais, non. Ah, je l'ai pas mis dans ma liste? Si, je l'ai, c'est sûr. Si, il est là, Riff. Je vais enlever ça. Il est repassé sur son support. Riff, je trouve intéressant parce que tu vois, il a cassé son canal haussier, était revenu faire pullback, puis il était reparti, mais finalement, il est un peu en dessous. Après, je pense que ouais, c'est pas bien non plus grave, voilà, on peut le décaler. Mais je connais pas trop le projet en fait. Oui, c'est DOT. Ouais, c'est ça, c'est DOT, ok. Faut que je me renseigne. Là, je suis plus sur Binance Smart Chain que sur DOT, je vous cache pas. Donc, je sais pas. Maker, qu'est-ce qu'il nous a fait, Maker? 21h30, on va aller chercher notre cher abonné. Maker. On va aller voir Maker. Oh, il stabilise. Ah ouais, ce Maker, surveille-le. Il va nous jouer un mauvais tour, celui-là. Vous allez voir. Je le sens venir. Les bandes de Bollinger sont pas encore resserrées. Désolé, je bégayais. Mais c'est intéressant. Ouais, on a eu pratiquement 20 jours de consolidation avant de péter. Là, on est à peu près sur 15-16 jours. Ça m'étonnerait pas du tout que la semaine prochaine, DOT, il fasse une poussée haussière. Maker, je veux dire. En plus, il fait pas semblant, hein, quand il pète. Ouais, il fait 300%. Donc, à voir. Il est intéressant. Après, tu vois... Je sais pas. Tu vois, quand je me dis, il y a Maker, tu vois, il peut éventuellement péter et faire un 100% de hausse. Donc, tu vois, c'est très intéressant. Mais il faut réussir à revendre en haut aussi. Alors que, pendant ce temps, t'as des Kickswap, t'as des Vénus qui font 100% par jour, 50% par jour, tu te dis, bon, où est-ce que je mets mon argent? Mais c'est vrai que... Il est pas mal. Il me fait penser un peu à DNT, où il consolide, il pète. C'est quand même assez rare, hein, ce genre de phase. Mais je pense que moi, je vais attendre que les bandes de Bollinger se resserrent, et là, dès qu'elles se resserrent, elles arrivent un peu comme ici. Ah, j'y serai pas à recharger sur Maker. J'en ai un peu à long terme, mais sinon, ouais, j'en ai pas à court terme. Ça peut être intéressant à surveiller. Surtout que tu vois, ça range et ça bouge pas, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Le peuple veut l'analyse de Inch. On va voir ça. Ouh, il est pile sur son bas du range. Bah, comme je l'avais dit quand il était ici, en fait, si tu veux, tu peux acheter le bas du range, mais ça va être risqué. T'as 3 points de rentrée, soit tu rentres ici en bas du range, soit la cassure du range, soit pullback du range. C'est-à-dire que le cours, en général, il fait ça. Il range, il casse, il fait son pullback, il repart. Donc, soit tu prends beaucoup de risques, mais beaucoup plus de rendement, t'achètes en bas. Soit tu prends un peu de risque, mais pas trop, parce que voilà, c'est au break. Faut attendre des confirmations, par contre. Mais vraiment, tu vas prendre moins de rendement, parce que tu vas pas acheter pile au break, tu vas acheter plus par ici, quand tu attends la confirmation de la bougie daily ou weekly, suivant la time frame.
Et par contre, vraiment le meilleur, c'est le pullback, parce que c'est là où tu prends le moins de risques, et c'est là où tu peux avoir pas le meilleur de rendement, pas le maximum de rendement, mais par rapport au ratio risque-récompense, c'est vraiment pas mal. Mais en bas du range, je vois, ça peut se payer, mais faut être confiant, quoi. Faut être sûr que ça va péter niveau out. Mais ouais, il me semble pas mal. Non, il n'y a pas de M qui est en train de se former. En plus, au niveau du. Ouais, c'est ça, au niveau du RSI, tu vois, c'est très stable. Ouh, le MACD, il va m'intéresser. Oh, il est intéressant. Parce que si la inch il commence à péter au niveau de la hausse, le MACD, vous pouvez être sûr qu'il va cross bullish. Je pense qu'il faut attendre quelques jours encore. Vous voyez que là, il est dans le rouge. On risque de descendre tout doucement, comme ça. Tac, et après. Et là, pullback. Et quand ça a croisé bearish, là, par contre, c'est très bon. Surveillez-le, les MACD, les gars. Très intéressant le MACD, parce que quand ça croise bearish ou bullish, en général, que ce soit sur le Beacon, les altcoins, vous voyez, le CRO en weekly, c'était une dinguerie. En général, ça pardonne pas. Et c'est très très bon. Bon, allez, on va aller voir notre cher abonné sur Discord. J'espère qu'il va pas répondre. Hop. Merci pour tous les subs. Pas pouvoir vous répondre, par contre, pendant le. On n'est pas en discussion. On a fait un petit train de hype. Merci, Izekwa. Je crois pas que je t'ai remercié tout à l'heure. Hop. Où est-ce qu'il en est, Bitcoin? Pump, je vais faire un petit trade. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. J'espère qu'on n'aura pas une dinguerie pendant le live au niveau du cours. Ouais. Il faudrait que vous me dites, ou vous me disiez, je sais pas comment on dit, pour le son de l'abonné. Si c'est bon ou pas. Normalement, c'est ici. Oh non, j'entends pas son son. Attendez. Mon père, j'ai changé de casque après. Peut-être pas répondre tout de suite. On va attendre un peu. Ave. On va aller voir Ave. Oui, bah, regarde, t'as juste à aller en dessous pour le référal Babbit. T'as 10 euros offerts si tu fais 100 euros de dépôt. 200 euros offerts, je crois, pour 1 BTC de dépôt. Et après, pour 2 BTC de dépôt, je crois, t'as 600 euros offerts. Mais bon, c'est quand même cher de BTC. Regarde, t'as tout. T'as TradingView. T'as la chaîne secondaire avec la rediff de live. T'as Ledger, N26, Binance. À chaque fois, t'as des bonus dessus, donc c'est pas mal. Swissborg, PrimeXBT, Bybit. T'as le Discord, Twitter et la chaîne principale. Donc n'hésite pas. Le MACD à quel niveau de temps? Bah, plus c'est une grosse timeframe. Si par exemple c'est du weekly, c'est parfait. Oh, c'est bon. Tu m'entends? Moi, je crois pas que je t'entends. Non, non. Faut que je règle un petit truc. Je sais pas, moi je Ah, t'entends si, c'est très bon. bien. Je t'entends, nickel. Ah, Toi, tu m'entends? parfait. Ouais, nickel. Ok. Attends, je vais vous monter le son. Dites-nous dans le chat si c'est bon. Normalement, ça devrait être good. Ok, nickel. Tac. Hop, c'est bon, ça me paraît pas mal. Ok. Est-ce que vous connaissez ou pas dans le chat qui c'est? Tu fais partie quand même des 4% de femmes sur la chaîne YouTube. Je sais pas s'il y en a dans le chat, mais vous êtes pas nombreuses, hein. C'est affolant. Tu m'entends? Ah, peut-être. Il y a eu un problème, les gars. Je t'entends très bien. Ah, c'est bon. J'ai cru que t'étais Ah! parti. Tu m'entends? Ouais, nickel. Attends. Ouais, je disais, tu fais partie quand même des 4% au niveau de la chaîne, vous n'êtes pas nombreuses. Hein. Mais c'est cool. Ouais, mais je disais 4%, je pensais que c'était moins que ça. Ouais, ça va. Bah, ça dépend parce qu'au début de la chaîne, je crois que vous n'étiez même pas 0,5%. Puis après, ça a augmenté. Ça augmente au fur et à mesure. Ah oui. Ouais, mais je pense qu'il y en aura de plus en plus, hein. Ouais, oui, je pense. Après, plus ça prend d'ampleur, plus ça ramène de monde aussi. Différent. Je pense qu'il y en a dans le chat, vous devez connaître, parce qu'elle parle souvent en commentaire. Salut Pepero. Elon Musk a tweet. Attends, je vais juste aller voir ça, avant qu'on lance une petite discussion.
Qu'est-ce qu'il a dit, Yalon? Il a changé. Non, Elon Musk a changé sa photo de profil. Il a mis Bitcoin. Incroyable. C'est bien un Bitcoin, ça. Ouais, il me semble bien que c'est un Bitcoin. Incroyable. Juste pour un jour. Incroyable. Oh, mais il a mis ça il y a 2 minutes, les gars. Je peux dire que ça va pump au niveau du court terme. Enfin, pas sûr, non, peut-être pas. On va voir. Est-ce que ça pump? Ouais, non, ça fait pas grand-chose. Bon, allez, j'arrête ça. Hop. Hop. Tu m'entends du coup? Je t'entends très bien. Ah ouais? Ah mais nous on t'entend pas. Je crois pas. Cela, je sais pas, essaye de parler pour voir. Ah si, c'est bon, je t'entends. Ben... Mais ça doit couper peut-être, non? Ça doit couper peut-être. Parce que je t'ai pas entendu pendant. Ben non, moi je t'entends bien. Ok, bah nickel. Bon, bah nickel. Bon, vas-y, on va commencer rapidement. Ah oui, mince, faut que je change de scène aussi. J'ai oublié. Tac. Discord. Est-ce que c'est bon? Invité Anam, investisseur immobilier. C'est bon. C'est good. Parce que. Hop. C'est vrai que. Toi, on s'est parlé tout à l'heure avant le live. Et. Tu me disais que toi, tu étais plus au niveau de l'immobilier. Et t'as plus commencé par l'immobilier avant les cryptos. Et je pense qu'il doit en avoir quelques-uns aussi dans ton cas, au niveau des abonnés, qui commencent d'abord par l'immobilier ou la bourse, et ensuite qui vont directement sur les cryptos. Tu m'entends? Alain? Je comprends pas, ça marche bien pour moi. Ah ouais, c'est bon, là, je te rentends. Mais attends, tu veux que j'essaie sur mon téléphone? Ouais, c'est bizarre, parce que... Ah, mais tu parlais, là? Parce que, tu sais, des moments, je sais pas, ça coupe. Ben C'est oui. bizarre. Ouais, mais Ah ça me non, mais faisait pas... je parle tout le temps en fait. Ah ouais? Ah, mais d'accord! Ah ouais, parce que moi, je Ben t'entendais pratiquement jamais, en fait. oui. Oui. Attends, mais si tu veux, Non, appelle-moi mais c'est pour ça que par le téléphone. je vois dans le chat. Ah, il doit... Ouais, ok. Ouais. Parce Bah, à mon avis, ça bug, les gars, parce que, la dernière fois, on avait que... pareil. Avec Dizerun. C'est exactement pareil. Vas-y, mais rappelle-moi par ton téléphone, au pire. Ok, donc je sais. Vas-y, on fait ça. Ok, je sais. Ah ouais, ça bug, les gars. Je me disais, c'est bizarre. Parce que je parlais, j'avais pas sa réponse. En fait, à mon avis, elle parlait, mais. Je sais pas pourquoi ça bug, je sais pas d'où ça vient. C'était pareil la dernière fois avec Dizerun. Ouais, tweet de Elon Musk, ouais. Ouais, t'as vu ça, Omelette? Je viens d'aller le voir là, il y a 30 secondes. Vous allez voir, le Bitcoin il risque de pump assez fort. Est-ce qu'elle va pouvoir me rappeler? Ouh là, le Bitcoin il s'affole. On va se mettre en machin. Oh, regardez ça. Cette bougie là. Ça, c'est bon. Ouais, je vous dis ce soir, je suis à 600 de bénéf sur ce trade. Facile. On verra ça tout à l'heure. Attends, je vais dire. Crac-croche. C'est bizarre, tout à l'heure, les gars, ça marchait. On a fait un call hein, sur Discord, sur tous les deux sur notre PC, et ça marchait nickel. Et on a parlé peut-être pendant, je sais pas, 20-30 minutes, ça marchait super bien. Nickel. Et là, ça marche pas, genre. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Binance crash aussi chez vous. Ouais. Binance, ils sont en PLS là depuis cet après-midi. J'ai mis un tweet. Oui. Ouais. Alors attends, là je suis sur mon portable. Est-ce que tu peux ou pas avoir Discord sur ton portable et après tu m'appelles depuis Discord mais depuis ton portable? Ah mais oui, c'est ce que j'étais en train de faire, mais Oh. t'as pas décroché. Ah mince. Ah ouais? Bah vas-y, refais-le.
Je vais essayer de décrocher. Je sais pas pourquoi, parce que tout à l'heure, tu vois, on a fait un call et ça a bien marché. Ben ouais, très bien. C'est bizarre. Attends, je vais essayer. Vas-y, vas-y. On va s'en sortir. Ouais, mais là, les gars, j'étais avec mon portable, donc c'est un peu pourri. Ah. Allô? Ouais. C'est Ah, bon? là, ça, nickel. Ouais, c'est bon, nickel. Ah, bah Je sais pas parfait. pourquoi ça buguait. Parce que tout à Je l'heure, sais on a fait le pas. call, ça marchait bien, ouais, c'était bizarre. Bah ouais, j'ai l'impression que moi je parlais dans le vide tout Ouais, c'est ça! Et en fait, à je parlais, et puis je te posais une question, tu répondais pas, je me suis dit, oh, tiens, ça a coupé. Et en fait, toi, tu devais l'heure. parler, tu devais m'entendre, mais nous, on t'entendait pas. Ah ouais. À mon avis, c'était ça. Mmh. Ok, du coup, pour revenir à la question tout à l'heure que je t'avais rapidement posée, je disais que toi, tu sais, t'avais commencé, tu m'avais dit tout à l'heure dans le call que tu avais commencé par l'immobilier. Enfin, t'as fait, en tout premier, toi, tu m'as dit que tu avais fait l'école de commerce. Ouais. Après, c'est quoi déjà le nom? J'ai oublié. En plus, c'est super connu. HEC. HEC, HEC ouais, c'est ça. Paris. HEC, les gars. C'est quand même pas rien. Et après, t'as direct commencé avec l'immobilier, c'est ça? Non, bah non, pas vraiment. En fait, je me suis un peu cherchée après pendant quelques mois. En fait, comme je te disais, je voulais surtout pas être salariée. Ouais. Mais je savais pas tellement quoi faire. Je voulais surtout la liberté. Ouais, oui. Mais c'est un vaste sujet et j'ai fait pas mal de recherches, tu vois. De voir comment quelles étaient les alternatives au salariat Ouais. Et tu t'es lancé direct et comme après micro-entrepreneur? ouais je me suis pris un statut auto-entrepreneur. Ouais. J'ai commencé à faire de la gestion locative Airbnb et tout de suite après j'ai commencé à investir Ouais. et ça m'a passionné en fait et voilà. D'accord. T'as bien fait. Mais comment t'as commencé t'as commencé avec un capital que t'avais déjà de base ou genre t'allais voir les banques, t'as dû faire des prêts, etc. Non, en fait, pour la petite histoire, c'est mon père, il est agriculteur, et Ouais. il m'a légué une espèce de, enfin, un vieux bâtiment de ferme, mais un Ouais. peu limite en ruine, enfin, un truc qui vaut rien du tout, Ouais. à la campagne. Et moi, j'ai fait tout un business plan pour diviser le bâtiment en 5 logements, et je suis allée voir la banque, et je lui ai tout expliqué, voilà, si vous me prêtez tant, je vais pouvoir faire 5 logements qui vont rapporter tant. Donc c'était hyper rentable. Ouais. Et Et ça a c'est bien comme ça marché, que j'ai quoi. commencé un premier prêt. Et Ouais. t'as tout retapé, t'as dû engager des personnes et tout qui ont retapé, t'as dû tout refaire le Ouais. bâtiment nickel quoi. Et ah ouais, c'est quand même énorme Ouais. parce que c'est comme une prise de risque, t'sais, de faire tout ça. Ah bah oui, ouais, c'est une prise de risque, mais en même temps, enfin, ça faisait un an que je me formais l'IMO, que je voyais. Enfin, je savais très bien les chiffres. Et tu t'es formé comment? Et T'as appris ça à l'école? bah. Non, non, par YouTube, Ah puis en ouais. allant à des rencontres, en parlant à des investisseurs et tout ça. D'accord. Et sur YouTube, tu suis qui en immobilier? Parce que moi, je commence à m'y intéresser. Il faudrait que je trouve aussi. Ah, mais il y en a plein. Y en Il a y en pas a mal. plein, mais alors, moi, maintenant, je suis associée dans une boîte d'immo qui s'appelle Ouais. Mastéos. Et D'accord. donc, c'est un pote d'HEC qu'il a créé il y a 2 ans. Je vois Tim Wengen dans le. Non, pas Tim Wengen. Non. Non, nous on fait du. Enfin, Mastéos fait du clé en main, en fait. Donc, c'est pour des gens qui n'ont pas forcément envie de s'embêter. Ouais. Le business model est super simple. On prend 5% et on fait tout de A à Z, depuis la recherche jusqu'à la gestion locative. Ah ouais, d'accord. Mais bon, ça c'est pour des gens en fait, qui ne veulent pas s'en occuper. Mais Ouais, si tu ouais, veux ouais. tout faire toi-même, ça te prend énormément de Ça prend temps. beaucoup de temps, Mais. ouais. Mais tu peux faire toi-même en te Mais t'as formant. plus de rendement, par contre, si tu fais toi-même. Bah finalement, pas sûr, parce Ah que ouais? tu peux. Bah non, parce que tu multiplies vachement plus en déléguant. C'est vrai. Donc ça dépend. En fait, c'est bien de faire une première opération seule pour se former et puis voir en fait dans quoi tu t'engages. Tu fais un, je sais pas, tu fais un achat de A à Z, t'achètes un studio ou un petit truc. Et une fois que tu as compris le truc, Oui, tu peux le c'est là refaire où tu plein de peux. fois en fait. C'est là où Après. tu et c'est là où tu peux déléguer du coup. Ouais, Bah, oui. si t'as, par exemple, toi, ta valeur ajoutée, c'est plus dans les cryptos, Ouais. t'as plus intérêt à dédier la majorité de ton Ah temps à oui. ça, tu gagneras plus, C'est plutôt sûr. qu'essayer de te former pendant 2 ans à C'est sûr. l'IMO. Ça, c'est un truc que j'ai appris aussi. Il faut mieux être excellent, tu vois, dans un seul domaine.
où les, où, tu vois, tu vas être indispensable dans ce domaine, que d'essayer d'être moyen de partout, tu vois. Ouais. Et ça, tu vois, c'est un problème aussi de l'école, tu vois, parce que l'école, ils t'apprennent à être moyen de partout. Alors qu'en fait, en réalité, quand tu arrives, t'es dans, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, c'est très bien, tu sais, d'être bon dans un seul domaine, Ouais. tu vois. Moi, tu as une expertise Oui, et tu c'est peux une fois développer que à tu fond. excelles, tu peux développer d'autres choses. C'est ça, c'est Mais si ça. tu commences par plein de choses en même temps, tu Ouais, c'est diversifies. ça. Tu fais un peu de partout, t'es un Ouais. peu moyen de partout, c'est un peu galère. C'était mes erreurs au début. Au début, mais t'inquiète pas, j'en ai Je fait pouvais tout aussi. faire. Celle-là, je l'ai fait. J'ai commencé à tout faire aussi. Ah, c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, tu vois, personnellement, après, je commençais à faire aussi un peu d'immobilier après le bull run, tu vois, des cryptos pour me diversifier. Mais Ouais. tu vois, je pense pas, tu vois, faire comme t'as fait, c'est-à-dire acheter un truc, t'sais, le retaper et tout, parce que c'est comme tu dis, t'sais, ça prend beaucoup de temps, en vrai. Et en fait, la deuxième façon, c'est aller directement vers une entreprise qui gère tout, mais genre elle gère tout de A à Z, elle t'achète, enfin elle te trouve l'appart et tout, ou alors elle te gère juste, tu Ouais. vois, la location entre toi et les personnes qui louent l'appart. Ah non, non, elle gère tout. Depuis Elle la gère tout, chaise, tout, tout. ouais. D'accord. Depuis la chaise IMO, jusqu'à la gestion locative. Ouais. Ah, c'est fou En quoi. passant par les travaux, l'ameublement. T'as juste à déposer Donc. l'argent quoi. Ouais. Ah ouais. Et en termes de rendement, tu sais à peu près combien ça fait en moyenne par an? Bah, en fait, ça dépend Ça énormément de dépend ce que tu vraiment, vas ouais, ça faire. varie. Et ça dépend de tes stratégies. Si c'est plutôt patrimonial, tu vas pas chercher du gros rendement, mais plutôt de la prise de valeur. Donc, par exemple, Paris, dans des grandes villes. Et si tu vas plus à la campagne, c'est des bons rendements, mais tu peux faire un entre-deux. Et moi, je vise minimum 10%. Ouais, mais là je trouve c'est intéressant en ce Net. moment l'immobilier parce que tu vois on est à la sortie, enfin on est en train de sortir de la crise et en général ce qui se passe c'est que tu vois en premier lieu c'est plutôt la bourse et tous les marchés qui tu vois qui crachent pas mal et tu vois là après le début de la crise et tu vois genre les marchés remontent et ben souvent t'as un petit temps de latence et tu vois c'est l'immobilier qui repart après la crise Ouais, et exactement. Ouais. donc pour ça Mais tu vois genre c'est intéressant. c'est pour ça que je me suis lancée à fond. J'essaie un peu de recadrer parce que je vois en même temps le chat, les mecs sont fous. Ça y est, on parle plus de crypto, ils sont plus Les intéressés. Non, mais ils ont gars, plus un sujet de conversation, quoi. Je suis pas crypto, compris. les gars, une investisseuse spéciale en immobilier, faut en profiter, faut Non, mais c'est diversifier. fou. Non, Mais mais c'est en même temps, c'est normal, je comprends. Mais ouais, donc ouais. Mais du coup, c'est pour ça que, enfin, là, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas mal d'apparts en cours de rénovation. Et donc, je m'étais lancée à fond là, à l'automne dans les travaux. Et là, je fais un peu une mini pause, enfin, je ralentis un peu pour me focaliser plus sur les cryptos parce que je sens que c'est le moment et Ouais, qu'il tu faut sens que pas c'est que le moment, quoi, ouais. je. Ouais, faut pas que Ouais. je. Et ça fait combien de temps que là, t'es dans les cryptos, du coup? Enfin, depuis combien de temps Alors. tu connais? Bah, en fait, je connais depuis que je me suis intéressée à la liberté, donc c'était à peu près il y a 3 ans, enfin Ouais. la liberté, le concept Oui, de c'est un grand mot. Ouais. liberté. Donc j'ai découvert un peu en même temps que l'IMO, mais à l'époque, j'avais pas, enfin je venais de terminer mes études et j'avais, comme je te disais, j'avais pas du tout d'argent. Donc bah, je te redis, mais pour les autres, j'avais demandé à mes parents de me faire un petit prêt sur courte durée Ouais. pour investir dans les cryptos. Et ils ont jamais voulu, enfin pour eux Tu c'était m'étonnes. vraiment Déjà dans la l'immobilier, pire. ça devait être chaud, mais alors dans les cryptos, ça devait être, ça devait être Ouais. impossible pour eux. Mais moi c'est pareil, il y a 2 ans en arrière, j'aurais demandé un prêt à mes parents pour les cryptos, ils m'auraient dit jamais de la vie. Ouais, c'est ça. Ouais, jamais d'avis. Donc bon bah du coup j'ai laissé passer le wagon, enfin le train. Ouais, le train. Et ouais, le train. Et après. Je me suis bah, réintéressée à l'automne, je pense un peu comme beaucoup qui voient que les choses bougent. Et enfin, en fait, je sais pas, je me suis réintéressée, enfin, je Plus suivais penché dessus, un peu ouais. en dilettante, mais. Et en fait, en octobre, début octobre, j'ai vu que c'était le moment et tout, mais je savais pas trop comment faire. Et ça, c'est pour la petite histoire, j'ai commencé sur Revolut. Oh, il y en a J'ai beaucoup qui ont regardé. commencé par ici. Il y a quelques jours, j'ai regardé comment j'ai. Enfin, j'ai regardé l'historique et j'avais commencé en mettant 11 euros. C'était juste pour test. 11 euros. Et après, 2 jours après, je remets 50, puis 100, puis enfin, après, Ouais, après t'as augmenté quoi. Ouais. j'ai augmenté, Et mais octobre, j'y suis allée quand même. il était à. Il me semble il était vers les 13 000, 14 000, un truc comme ça, Bitcoin, à peu près. Un peu plus. Ouais, moi, c'était vers les. Non, je crois que c'était juste avant C'était 10 000. avant les Enfin, 20 000. je sais plus. Non, avant les 10. Je sais plus si c'était Avant les 10, ouais. 9 000 ou 12 000. 12 000, D'accord. un truc.
Et si tu veux une anecdote, enfin, ça sert à rien, mais c'est une petite anecdote. J'ai retrouvé il y a 2 jours, je me suis retrouvé un compte Bitpanda. Je sais pas si tu connais, c'est un peu Ouais, je du. connais. Et à l'époque, alors ça c'était avant octobre, c'était en juin, j'avais ouvert le compte, il fallait mettre 20 euros pour l'ouvrir, je crois. Ah Et oui. là j'ai ouvert et il y avait 200. Mais Ah, c'était vraiment un compte que j'avais complètement. t'as mis 20 balles pour l'ouverture et au final tu te retrouves avec 200 en 200 euros. Ah, c'est Voilà. fou ça. Mais c'est vrai. Non, après, sinon, j'ai vraiment commencé, on va dire, enfin, il y a un mois. D'accord. Ouais. Il y a un Oui, mois. à commencer à Mais. investir à fond, quoi. Enfin, à plus Ouais. rentrer avec de plus Ah, gros bah capital. là, je peux te dire qu'il y a un mois, j'ai pas fait un all-in en une fois, mais. Ouais, t'as mis beaucoup, quoi. Voilà, j'ai T'as presque mis. à peu près combien... Enfin, je veux dire, t'as pas à peu près combien en capital, mais t'as à peu près... T'es rentré à combien en termes de prix du Bitcoin? C'est-à-dire, la moyenne du Bitcoin auquel t'as acheté, c'est à peu près combien? 20 000, 25 000 Non. euros Bah, je suis rentrée par palier hein, Par palier, ouais. Bah, t'as très bien fait. depuis début janvier jusqu'à hier. Donc, D'accord. c'est. Ah oui, donc Et t'as puis, plus... j'ai. Un prix moyen du Bitcoin aux alentours des vrais 40 000. Un peu plus. Ouais, un Ok. peu plus, je pense. Un Okay. peu plus. Hein. Mais Et je t'es uniquement crois sur pas que. Bitcoin? Non, non, pas du tout. Non, Ok. non. Ethereum et. Non, et plein d'altcoins aussi. Hein. Ok. Mais là, depuis 2 jours, bah, comme tu dis sur ta chaîne, j'ai rebasculé un peu d'alt sur le Bitcoin. Sur Bitcoin, ouais. T'as pu profiter de la season? Oui, bah, un peu, mais c'est pas fini. Enfin, je reviendrai à Oui, d'autres. c'est sûr. C'est sûr. Mais oui, un peu. Mais après, ouais, j'étais encore un peu sceptique au début. Mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai une partie qui est gérée par un Oui. manager. Donc, ça, c'est un choix. C'est un choix parce qu'au début, je connaissais rien. Là, depuis un mois, Ouais. je suis à fond, mais genre jour et nuit. Enfin, je pense que je suis comme toi. Ouais, J'adore tu vas à tout. fond, quoi. Mais au Il y a tellement début, de trucs, je vais tout découvrir. c'est vrai que c'est mieux de Mais déléguer au début quand tu connais rien. Mais au début, ouais, début maintenant, janvier, maintenant tu connais bien quand même. Enfin, genre, tu sais Ouais. acheter, tu sais sécuriser, tout ça, vendre. Oui, et du coup, depuis. Donc, j'ai confié un capital à cette société. Et depuis, j'investis de mon côté moi-même. Et là, j'ai un peu rattrapé, j'ai à peu près rattrapé ce que je leur ai confié. Donc, je dirais que je suis à moite-moite. Et si je continue à investir, bah, je vais dépasser ce que D'accord. moi je gère hein, par rapport à eux. Ouais. Mais après, je verrai bien Et tu peux dans deux, choisir la trois. stratégie comment eux, parce que eux ils ont leur propre stratégie, c'est ça? Ceux qui choisissent quand ils vendent ou ils achètent. Ouais, D'accord. c'est. Mais eux, comme je te disais tout à l'heure, ils sont. Enfin, c'est des baleines qui sont Oui, en c'est lien des avec. institutionnels quoi, c'est des baleines, Ouais, ouais. Ils ont les infos avant tout le monde. ouais, c'est ça. Donc c'est un D'accord. peu intéressant. Et ça va me permettre de voir aussi dans 2, 3 mois, comparer les performances. Hein. Ouais. Parce que eux, par contre, alors ils traitent que du Bitcoin et Ethereum. Mais c'est hyper. Enfin, ils traitent autant à la hausse qu'à la baisse. Ouais, bah, enfin, Ah ouais, ouais, ils c'est un vont cercle dans tous les vicieux. sens. Ouais. Mais du coup, c'est. En fait, peut-être qu'ils performent un peu moins en temps de bullrun ou en temps de grosse hausse. Ouais. Mais. Ils sont constants. Mais par contre, ouais, quand je regarde leur performance sur les 3 dernières années en bear market, désolé, je cherche un peu mes mots parce que c'est Ouais, encore pas de assez nouveau. soucis. Mais en bear market, ils sont toujours gagnants et la Ils sont différence par. gagnants quand même. En bear market, ils Mais sont oui, gagnants. bah oui, ils sont gagnants. Ouais, Mais c'est tu vois, short le l'année marché. dernière, ils ont fait 650% en 2020 et avant, c'était en 2019, je sais pas, bah, ils ont dû faire. Ils ont fait pas loin de 100% alors que le Ouais. marché est moins, je sais Ouais, pas il était comment. plutôt baissier, quoi. Ah, c'est Ouais. bien. Intéressant, il faudra que tu vois par rapport à eux combien toi tu as pu faire de performance. Oui, voilà, Voir c'est si ce c'est que intéressant ou pas. Ça c'est pas mal. j'attends. Ouais. Et tu as une perspective. Tu penses revendre. Enfin, tu penses garder tes cryptos genre pour plusieurs années ou revendre. Essayer de revendre tu vois, vers la fin du bull run ou tu vois, revendre bientôt. T'as quoi toi comme technique, comme stratégie? Bah, je pense d'ici, enfin, quand on sera à peu près au 100K, en fait, je sais pas, je pense que ça bouge tellement vite que Ouais. je regarde tous les jours et je réadapterai, mais le but, si, c'est quand même de passer en stable
avant le bear market. Enfin, ouais, avant de dire. Non, mais avant le. En fait, dans ta dernière vidéo, là, tu t'expliquais qu'on va aller. On va assez vite faire un top et ensuite il y aura une correction. Et bon, enfin, on sait jamais exactement, mais je pense que. Ouais, avant la deuxième partie du bull run, profiter de la halte en repassant des bitcoins en Oui, halte ah et oui, ensuite. ça va être incroyable. Quand les gars, quand on va arriver à la fin du bull run, on risque d'avoir une grosse altcoin season. Et si vous arrivez à repasser tous vos bitcoins en altcoin, c'est un truc de fou. Parce que pour ceux qui étaient là en 2017-2018, c'était incroyable. L'altcoin season qu'on a eu à la fin du bull run, c'était un truc de dingue. Et il y avait des performances de folie. Ouais. Et Et je regarde. Tout à l'heure, j'ai découvert un indicateur, mais tu le connais sûrement, mais c'est la valeur intrinsèque du prix du ouais. mining vs le prix du marché. Ah, Et comment il s'appelle déjà? Le PO. qui? Ah, je sais plus comment il Je sais. s'appelle. Mais ouais, je Il l'ai y a dans ma pas liste. un U, je crois. Mais en fait, Oui. il disait que quand on est au top du bull run, la différence, elle est de 11. En gros, la valeur, enfin, le prix, la valeur estimée, donc le prix du marché, il est 11 fois supérieur à la valeur intrinsèque du prix du mining. Et dans tous les bull runs, ça Toujours pareil. c'était toujours resté 11,5 à peu près. Et là, actuellement, on est à 4,75, qui voudrait dire qu'on a encore une marge de x2 sur le Bitcoin. D'accord, ben on est Oui, large. Il y en a qui disent c'est Cryptomatrix, c'est sur sa c'est chaîne que tu as ça. vu? Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ok. 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 Ouais, c'est intéressant, mais il y a plein d'indicateurs comme ça à long terme qui sont très très pertinents. Et même celui que j'ai là actuellement sur mon écran, il est pas mal parce que dès que vous arrivez dans le rouge, ça veut dire qu'on est plutôt en zone de survente. Et en fait, le but, c'est pas vraiment de vendre au top du bull run. Quoique, il y a des indicateurs qui arrivent pratiquement à prédire le top du bull run. Mais le but, ouais, c'est de vendre. Si par exemple vous vendez à 145 000 et le top il se situe à 170 000 ou à 200 000, c'est pas bien grave. L'important c'est de Ouais. pouvoir retirer et quand même faire du bénéfice sans perdre trop d'argent. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup beaucoup de gens vont acheter au top du bull run, ils vont perdre de l'argent. Et ça c'est un Ouais. gros problème. Ça me fait Ouais. peur. Ouais. C'est Et tout nouveau, ils vont arriver, tu sais, ils vont pas comprendre les cycles et paf ils vont acheter direct. Ils voient que ça fait monter et finalement ils vont se faire plumer. Ça arrive à chaque fois, mais bon. Comme ouais. ça. Alors, attends. Je vais prendre une petite question. Du coup, la chaîne, tu la suis depuis quand à peu près? Bah, la chaîne Depuis début octobre? janvier. Début janvier? Ok. Ouais. Et ensuite. Ah oui, bah pour l'instant, je pense que t'as pas eu le temps de faire trop d'erreurs ou trop de gains extraordinaires. Parce que toi, t'es plus Ouais. focalisé, du coup, sur de l'investissement. T'es moins sur du trading. Oui, ouais. Ouais, t'es Donc plus sûr de oui, non, je l'investissement. Mais pour l'instant, n'ai t'as pas encore rien trop. revendu. T'as que pris des prises de position d'achat. Ouais, mais si, j'ai fait des swappings. Enfin, là, je suis plus passé en Bitcoin, comme je te Ah disais. oui, d'accord. Tu transfères des altcoins, drop au Bitcoin ou inversement. Ouais, mais j'ai Ouais. rien repassé en USDT. D'accord. Et ce que je voulais te demander, ah oui, t'es en France, toi, au niveau du pays ou pas? Ouais. Ouais. Et eh ben, ah ouais, du coup, toi aussi, ouais, t'auras la taxe des 30%. Ça, c'est un Ouais. inconvénient. Mais, ah Ouais. oui, j'avais une question aussi que je vais te demander. Au niveau de l'immobilier, t'es uniquement en France ou pas? Oui. Ouais, ok. Parce que, tu sais, ça se trouve, t'aurais eu de l'immobilier à l'étranger, t'aurais peut-être pu faire. Pas une évasion fiscale, mais tu vois, genre être taxé ailleurs, tu vois. Je vois pas trop comment ça Ah marche, oui. ça. Ouais, non, mais il y a plein de trucs à faire, mais bon, au début, enfin, je pense que faut commencer en France et après Oui, c'est ça. Et se après, dès que ça diversifier. grossit, pourquoi pas, si c'est intéressant. Mais après, bon, il y a aussi plein de. En fait, quand on sait s'y prendre, même en France, il y a vraiment plein de techniques pour défiscaliser à mort Ouais. et pour pas payer d'impôts. Enfin, pas il y a plein de trucs pas très connus, mais quand on a les bons contacts, C'est ça. Si, si, c'est. si t'as le bon Ça peut être comptable qui te trouve les trucs, les failles, machin, t'es tout en étant dans la légalité, tu t'en sors toujours. un. Ouais. Ouais. Mais. Ça peut être un paradis fiscal, la France, hein. Ah ouais, Quand non! on fait bien sûr. Abuse pas Ben quand si, même! mais Quand même pas! si. Attends, mais la France, un paradis fiscal? Non, Bah. j'y crois pas une seule Non, seconde! Comment ça? On est taxé à 30% sur les cryptos, c'est mais non, énorme! mais avec C'est plein, il y a taxé plein combien? d'avantages. Ah ouais?
C'est taxé à combien au niveau des apparts, de l'immobilier? Parce que tu peux déduire des impôts Bah, si tu fais des tout frais. dépend de comment tu exploites. Ouais. Il y a 36 000 manières d'exploiter, et la manière d'exploiter, elle dépend de ta stratégie. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Ouais, c'est Ça cas par dépend cas. des autres activités. D'accord. Ouais, je vois qu'il y a plein de questions sur comment c'est sans essayer en propre, etc. Il demande quoi? Non, mais c'est des trucs de d'IMO. Enfin, sur Ah oui. la structuration. Ouais. Pour l'instant, je suis en nom propre et là, je suis en train de structurer pour mettre dans des SCI une partie, mais pas tout, parce qu'il y a des avantages dans les deux. Mais Entre après, quoi? Nom propre essayé? ouais, C'est quoi la acheter différence? en nom propre, ça veut dire acheter en direct, comme en tant que particulier. Et acheter en SCI, c'est t'achètes via une société immobilière. Donc, tu crées une structure qui est une société, D'accord. et c'est ta société qui achète. Ok. Parce Et que c'est toi, plus avantageux? bah, c'est ce que je te disais, ça dépend vraiment de ta Ouais, de sa situation. situation. Si t'achètes Ok. qu'un truc, non, pas forcément. Mais enfin, il faut, c'est bien d'avoir les deux. Et en fait, dans une SCI, tu peux pas te percevoir directement tes loyers. Tu passes par l'imposition des 30%. Ouais. En nom propre, tu peux toucher directement les loyers, mais il y a d'autres inconvénients. Et puis après, il y a la revente aussi, c'est pas la même Ouais, c'est fiscalité. différent quoi. Ouais. Ouais. Et toi, pour l'instant, t'es un nom Et propre après, et t'aimerais bien passer en CI, t'as dit? en SCI, SCI, ouais. bah une partie, oui, là, pour après, quand tu veux grossir et vraiment multiplier les achats, Ouais, c'est mieux. c'est un peu pas obligé de passer. Enfin, ouais, parce qu'après, les Ouais. banques te prêtent plus en nom propre. Oui, c'est ça. Il peut être plus trop. Mais D'ailleurs, ouais. c'est une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup intéressée aux cryptos, c'est les galères avec les banques. Ouais, tu m'étonnes. Il y en a J'en ai beaucoup. tous les jours, c'est insupportable. Ah Enfin, ouais? bah oui, tu peux pas faire. Déjà, tu dois demander une autorisation pour faire un gros virement. C'est Ça ça. met à 3 jours, C'est trop minimum trois chiant. jours à arriver. C'est trop À chaque chiant. fois que je demande un truc, il se trompe. Et donc, le fait d'être maître de son argent, enfin, Ouais. de pouvoir l'accéder et que tout ça soit Imagine instantané, une c'est transaction, génial. tu pourrais les faire en crypto, genre ça prendrait 2 secondes, ça coûterait que dalle en frais. Genre, c'est tellement mieux comparé aux banques. Surtout, t'as pas besoin de demander leur avis. C'est révolutionnaire. Et là, cette semaine, j'ai testé un nouveau truc, mais tu dois forcément connaître, c'est les C'est quoi? prêts, enfin, de faire à toi-même un Ah, prêt. bien ça. Tu l'as fait via Et quoi? alors, c'est sur crypto.com, l'exchange. Ah oui, ils le font en crypto.com. Ok. Donc, tu mets du collatéral et c'est Ouais. pas mal, hein? Ouais, franchement, C'est en trop vrai, c'est bien. bien fait. Bah, au niveau de la Binance Smart Chain et d'Ethereum, tout ça, le DeFi, ça, DeFi, ça finance décentralisée. Et en fait, on prend toute la finance et on la décentralise. Du coup, tout ce qui est prêt, emprunt, bah, tu peux le faire, mais en décentralisé. Et du coup, c'est trop bien, quoi. Parce que t'as plein de problèmes, tu sais, au niveau quand tu vas faire un prêt à la banque, il faut que t'aies telle condition, il faut que t'aies ça, il faut que t'aies ci, il faut que t'aies machin. Ouais. Alors que là, t'arrives, t'as Bah juste à poser ton collatéral, tu prends, oui. peu importe qui t'es. Et Ouais. Mais il y c'est a top, quoi. tellement de trucs à découvrir encore. Ah Enfin, ouais, j'ai tout l'impression que c'est est énorme. tellement large. Mais en fait, Ouais. plus t'avances dans les crypto, Ouais, plus tu vois, t'apprends de choses, plus tu te rends compte que tu connais rien. Tellement que c'est vaste. Ça, c'est un truc de fou. et Ça, c'est un truc quand de fou. tu disais sur ta vidéo que t'as passé la nuit à sur BSC, je comprends. Je pouvais pas dormir. C'était impossible. Il y a trop de trucs à voir. Mais c'est vrai que ouais, c'est intéressant. Puis il y a des opportunités de malade, tu sais, vu que c'est en train de se construire et il y a encore très peu de monde. C'est Bah oui, de la c'est folie. Puis quand tu vois des. Tu vois le BNB, genre, je crois, hier, il y a 2 jours, il était à 200$. Là, je le vois, clair. il a 320$. Ouais, C'est c'est de la n'importe folie. quoi. Mais c'est vrai qu'en bull run, il y a vraiment de grosses, grosses opportunités de partout. Surtout sur les Ouais. altcoins, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais ça te fait pas bizarre quand même de passer l'immobilier où t'as peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, entre 20 et 40% de rendement par an. Ah, Ah mais des si. cryptos où genre tu fais 40% une journée, tu Ah mais si, mais complètement. Ah mais c'est rien à voir. Non, et en fait, ah oui, j'ai encore oublié une des raisons pour lesquelles je me suis. Enfin, non, c'est pas une des raisons, mais l'objectif que je me suis fixé, c'est. J'ai fait une énorme bêtise. J'étais en bourse aussi, enfin, pas mal en bourse, ah ouais? bah, jusqu'au confinement, au premier confinement, on va dire. D'accord. Et en fait, j'ai fait.
J'ai fait la pire erreur que font T'as ceux qui revendu ne au connaissent bas? pas. C'est que j'ai un peu panique. J'ai vendu le 20 mars. Donc c'était vraiment mais Non! le pire jour. C'était en bas du J'ai crash. fermé énormément et ça m'a. Enfin. Ah Et en fait, non! je me suis dit là, en décembre, je vais prendre ma revanche sur les marchés financiers. Il faut absolument qu'avant les 1 an, donc c'est-à-dire le 20 mars 2021, j'ai Ouais. récupéré ce que j'ai perdu. Et ça marchait? Et Enfin, pour l'instant, ça me tu sais drive. pas encore. Et bah franchement, là, je pense que je suis vraiment pas loin Oh, bah tu vois, les cryptos sauveurs. là. Ouais. Incroyable. Mais t'étais positionné plus sur quoi au niveau des marchés financiers classiques? Sur Ah non, des ETF? c'était une vulgaire. Moi, je gérais rien. Enfin, c'était une assurance vie avec Ah, des. d'accord. C'est via la banque. Ouais, c'est via la banque, plan d'action dans des D'accord. portefeuilles. Enfin, bon, je m'y intéressais pas trop, en fait. Hein. Je D'accord. regardais. Je faisais confiance. Et en Ouais. fait, comme ça faisait plusieurs années, ça avait quand même pas mal monté. Mais rien à voir. La banque, ils t'ont pas Enfin, freiné quand t'as dit je veux tout revendre le 20 mars? Ben non, en fait, enfin, j'en ai parlé avec ma banquière, mais elle m'a dit oui, c'est une bonne idée à condition de racheter. Plus bas. Pas de racheter au plus bas, ouais. D'accord. Ok. Finalement, En ouais, fait, t'avais c'est pas jamais que pu j'ai racheter. revendu, c'est que j'ai passé mes actions en obligations. Mais donc, Ok. forcément, les actions, elles avaient chuté. Ouais. Ok. Ok, intéressant. Et l'immobilier, du coup, t'as commencé à quel âge? Vers 20 ans à peu près, un peu plus? Non, un peu plus à la fin de mes études. Ok, donc. Ah oui, HEC, ça doit être quand même long. C'était Tout vers. le monde Ok. Ah oui, c'est vrai. demande. Ouais. Ok. Et au niveau du coup, du parc immobilier, tu as réussi à grossir assez vite quand même, parce que l'immobilier, tu vois, ce qui me fait peur, j'ai l'impression que c'est hyper long, tu vois. Parce que pour rentrer, par exemple, si tu veux prendre un appart et tu sais que ton locataire, il rentabilise ta maison ou ton appart, ça prend parfois 10 ans, tu vois, c'est super long, j'ai l'impression. Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que les premiers apparts, ça prend un peu de temps parce que tu découvres tout, tu dois trouver tes artisans, etc. Mais en fait, c'est un peu comme une. Attends, je trouve plus le mot. C'est exponentiel, Mais c'est l'effet cumulé. voilà, il est exponentiel, ouais. Ok. Et là, ouais, là, je suis en phase un peu exponentielle. En fait, tu commences Mais... avec, ça commence tout doucement et puis après, plus t'avances, plus ça augmente, quoi. Bah ouais, Ok. plus les banques te font confiance, plus t'as l'habitude et ça pousse à la vie. Mais t'es obligé de Mais t'endetter. après, je suis pas. Enfin, je. C'est. J'ai envie de quoi? De m'endetter? Bah De oui, t'endetter au niveau des banques, ouais. bah c'est beaucoup mieux. Ouais. Tu C'est fais un de effet de l'effet de levier. levier. Ouais. Ouais. Tu places. Et. T'apportes 10 000 et t'en prends 100 000 par Ah ouais, exemple. c'est bien. Ah ouais, à ce point. Mais en plus, là, ils sont intéressants, les intérêts, non, au niveau de la banque. Genre, t'as pas des Bah intérêts oui. très très faibles. Si, c'est rien du tout, c'est autour de 1%. Donc, D'accord. Et c'est quoi les risques de l'emprunt au niveau de la banque? au niveau de la banque, Ouais. bah, en fait, soit la banque elle prend beaucoup de garanties, hein. Soit elle prend une garantie auprès d'un organisme tierce qui remboursera en cas d'impayé ou s'il t'arrive quelque chose, D'accord. soit elle hypothèque le bien. D'accord. En fait, c'est dans le cas où tu n'arrives pas à rembourser, quoi. Mais c'est quand même Ouais, assez rare. Tu as plus de chances de t'arrives pas à réussir rembourser. que de pas réussir. Si tu meurs, Ouais. bah, il peut y avoir plein de choses. Hein. Non, mais c'est. En tout cas, faut pas croire que l'IMO est facile et que tout est Oui, rose et tout. c'est sûr. Enfin, on s'imagine. Mais si par exemple, tu vois, tu arrives avec un capital, tu vois, imaginons de 200 000 euros, tu vois, dans l'immobilier, est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire par exemple un effet de levier, tu vois, avec la banque et de faire un prêt? Ou alors il faut direct mettre 200 000 euros? Ah mais non, t'as tout intérêt à faire un effet de levier. Ah ouais? T'as aucun intérêt à... Bah, en fait, ça dépend, encore une fois, si c'est de la plus-value que t'as fait en crypto et que, je sais pas, et que tu veux pas t'embêter et que tu sais que tu les referas rapidement, tu peux, mais c'est pas forcément... Ou alors, t'es pas obligé de faire un effet de levier x10, tu peux mettre 200 et emprunter 500. Enfin, Ouais, je d'accord. trouve que c'est plus intelligent si t'as les moyens d'emprunter. Après... Pour ceux qui n'ont pas les moyens, donc qui n'ont pas une situation stable, etc., mais qui n'ont que du cash, ça peut être intéressant d'acheter un premier appart et qui permet ensuite d'emprunter. Mais Ouais. bon, après, je sais pas s'ils sont très intéressés par l'IMO, les gens.
Ils sont plus crypto. C'est vrai que moi, l'IMO, ça commence à m'intéresser, les gars. J'essaie de me diversifier. Mais Je me en tout cas, renseigne. on pourra en reparler avec plaisir. Du coup, on va revenir un peu sur les cryptos. Moi, je voulais ton avis sur. Bon, après, ça fait pas très longtemps que tu es quand même dans les cryptos, mais c'est quand même intéressant. Toi, tu penses jusqu'où on peut atteindre en termes de prix le Bitcoin, Ethereum et au niveau de time frame, tu vois, par exemple, si tu penses qu'on va arriver à la fin du bull run plus vers 2021, 2022. Après, c'est assez aléatoire, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport au prix, par rapport au temps? Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est ce que je pense, c'est comme je suis très nouvelle encore, c'est ce que je pense, c'est surtout enfin pas biaisé, mais c'est par rapport à ce que j'entends des différentes chaînes, etc. Bah là, avec le truc du 11,5 dont je t'ai parlé tout à l'heure, me fait Oui, penser l'indicateur. qu'on fait facile. On fait très facilement un x2 à partir de maintenant. Je pense le x2, je pense qu'il est largement possible dans les 2-3 mois. Et après, il y aura certainement une correction. Et après, le nouveau, enfin, la fin du bull run que je vois plutôt fin 2021. Je sais pas, moi, dans ma tête, j'ai 200 $, mais. 200 000. Ouais. Ouais, moi perso, je vois pareil, tu vois, vrai 200 000 fin 2021. Et au niveau du TH, t'as un Et avis? au niveau de TH, bah, je pense que oui, là il va y avoir une petite pause tant que TH2 sorte. Ouais. Donc on va stagner un peu autour des 2000, je pense, encore une fois, j'en sais Ouais. rien. Mais qu'après, bah, moi je vois bien les 15 000. Ouais, Je sais pas 15 000, pour vous. ouais. J'avoue que c'est pas mal. Et c'est vrai que ETH est beaucoup plus intéressant, t'as vu, en termes de rendement par rapport à Bitcoin actuellement, je trouve. Ah oui. Ouais, pas ces jours-ci, mais Oui, pas ces plus. jours-ci, oui, mais je veux Ouais. dire au niveau du, tu sais, pour la fin du Oui. bull run. Pour le bull run, à mon avis. Parce qu'il y a plus de Ouais. potentiel de hausse. Ça fait pas mal. Oui, donc finalement, t'es en train de dire que pour un débutant, autant mettre Ouais. plus Moi, d'Ethereum que. personnellement, si j'avais 1 000 € à mettre, là, je mettrais plus dans. Je mettrais Ouais. bien, tu vois, 700 dans ETH et 300 dans Bitcoin. Ouais. Tu vois. Ouais, t'as raison. Bah, Après, c'est ça ce que dépend j'avais fait aussi du au risque. début. Parce que ETH, c'est plus risqué que Bitcoin. Que, tu sais, imagine, genre, le BNB, tu vois, il continue à pousser Ouais, et tout. un peu, mais. Tu vois, j'aurais pu prendre la ETH, c'est place de pas non ETH. plus. Ah oui. Oui, Après, il y a quand même pardon. peu de chance, tu vois. Imagine, je sais pas, sinon, la mise à jour ETH 2.0, tu vois, elle marche pas. Tu vois, genre, là, Non, c'est bah alors, risqué, faut tu vois. faire une triplette avec le BNB. Dans les mines, Ouais. tu C'est ça. Tu fais. diversifies, en vrai. Mais c'est vrai que moi, personne en crypto que j'aime bien, tu vois, qui je pense qui sont le top pour quelqu'un qui débute, c'est Bitcoin, BNB, ETH et Link. Tu vois, elles sont toutes les dans le top 10. Et en vrai, ces 4 cryptos, tu vois, qui sont solides. Et il y a quand même Ouais, peu de mais chances que tu arrives à la fin du bull run, tu vois, qu'elles soient KO. ça c'est pour des personnes qui veulent pas du enfin pas s'en occuper, Oui, c'est qui ça, mettent qui veut pas se ça. prendre la tête. Ouais. Mais après moi là j'essaye de d'être un peu plus active déjà parce que j'ai cet objectif de récupérer ce que j'ai Oui. perdu il y a un an. Mais ouais, j'essaye de jouer un peu avec les alts et de surfer sur les 50% en un jour. Là par exemple à Raven. T'as fait J'ai, combien? j'en ai. Là, 50. Non, mais j'avais pas mis beaucoup, mais 50%. Aujourd'hui, j'ai revendu ma mise de départ. Il a bien Non, pump, 50. Raven. Non, je dis 50%, mais 50% aujourd'hui. Mais en tout. Aujourd'hui? Bah oui, je crois que c'était ce Il a fait matin, c'était 50% une 50. journée? Bah oui. J'allais voir ça. Attends, Je le tu suis viens de pas, dire que. Raven, mais je sais qu'il a pump. J'ai revendu. Ouais! Mais Oh, c'est la oui. folie! Et t'en avais acheté quand du Raven? Attends, je vais te dire quand j'en avais acheté. Si Oh, il a fait je. 1500%! C'est un fois 16! Ouais. Ouais, et puis là, il a refait, je crois, ce soir. Pendant le live, j'ai eu une notif. Ouais, à 20, à Attends. 21 h, il a pump. Ah non, mais j'ai tout. Mais non, mais je suis con, j'ai tout revendu en fait. Attends, j'ai oublié. 26%. Ah oui, j'ai tout revendu. Oh non. mais j'avais acheté. La première fois. Bah. Ah, mais non, mais j'avais acheté récemment, en fait. J'avais acheté le 15 février. Ok. Oh, ça va quand même, ça te fait une belle paire. Tellement de petits trucs que j'oublie après. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas des petits Mais là, accueils. j'ai oui, j'ai regardé. Bon, 50, c'est bon, je prends, je l'ai mis dans le Bitcoin. Et puis voilà. Ouais, t'as raison.
Et en altcoin prometteur selon toi, tu vois, genre les altcoins sur lesquels tu es positionné et sur les altcoins, tu vois, qui tu penses qu'il peut faire une belle perf durant 2021, tu dirais plus lesquels? Bah, en fait, j'ai pas encore eu le temps de regarder tout ce qui est dans la Binance Smart Chain. Ouais. Parce que. Oui, alors là, je vais faire une petite dédicace à Pepero, qui est devenu mon coach perso. Il est vraiment Ouais, super, il est chaud super pour top. Pépéro. Ouais, très chaud. Et il m'a donné. Enfin, en fait, ça fait plusieurs jours que j'essaye de trouver un moyen de m'ouvrir un deuxième compte Binance. Ah, Parce mais que. j'en ai trois, je l'ai fait facilement. T'as juste à te créer une deuxième adresse mail et c'est bon. Mais oui, mais après, tu peux pas déposer. En fait, Ah ouais? j'arrivais pas à déposer. Mais Mais non, de parce que mon Bitcoin? queue. Ah non, mais Ouais, des euros. non, non, j'arrive pas à déposer du cash parce Ah que mon d'accord, queue. ah oui. Et en fait, justement, c'était l'idée de Pepero. Je passe par un autre compte, j'avais même pas pensé, par un autre exchange. Je m'envoie du Bitcoin ou autre Ouais. sur ce deuxième compte. Là, et là, je peux. Donc depuis aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Donc là, je vais pouvoir me focaliser. Enfin. Aller découvrir un peu ce qu'on a sur la Smart Chain. Ah, c'est cool. Et je pense que je vais en trouver pas mal d'intéressants. Après, dans tout ce qui est Polk Market, Polk Polkadot. Starter, Ouais. C'est vrai ouais, enfin, tout. que. Ben, j'ai encore pas eu le temps de m'y pencher, mais ça fait Pareil. partie des choses que je fais. Polkadot a l'air un peu plus complexe, j'ai l'impression. Mais. Ah, ouais. Je sais pas. Ouais. Toi, tu crois plus à Binance Smart Chain ou à Polkadot? Bah, j'étais plus sur Polkadot avant, mais Ouais. maintenant que BNB, enfin, BSC a fait son gros coming out, qui est Ouais, plus c'est vrai. récent, C'est vrai que bah, ça m'a Binance Smart l'air. Chain, ils ont l'air mieux partis en fait. Puis surtout, il y a Binance derrière qui les soutient, tu sais. Ça, c'est énorme. Oui, bah oui, c'est ça. En plus, puis comme Binance est devenu un peu la référence. Ouais, sûr. Et non, après. Bah après, j'ai quelques alts que je voudrais garder sur le long terme, mais tout en aidant. Jusqu'à la fin du bull run quoi, parce que à la fin du bull run tu veux vraiment tout vendre ou tu veux quand même en garder t'es au niveau du Ah très très long non, terme? non. Ah non, je vais en garder quand même. Ah, tu vas quand même en garder, ouais, même pas en bear market. Bah en fait, on peut. Il y aura forcément des alts qui vont performer même en bear market, non? Y en a pas Je beaucoup pense hein. pas. Je veux dire qu'en 2018 c'était pas la joie, t'avais tout le monde qui chutait. Ah oui. Il me semble Ah pas donc qu'il y en en fait. avait un ou deux qui. Quand, en fait, bear market, t'as vraiment tout le monde qui baisse, hein, c'est un truc de fou. Oui, donc toi, ton plan, c'est Ah, de moi, tout c'est tout revendre. revendre et. Moi, j'aurai Ah, zéro tout revendre crypto à la et. fin du bull run. Ah, ok, et te passer en IMO alors. Et ouais, pas tout en IMO, mais tu vois, moi, je compte repasser un peu une petite partie en IMO, une petite partie en bourse plus traditionnelle, tu vois, sur des ETF. Et après, tout le reste, je le garde en stablecoin et je le mets sur Swissborg, tu vois, avec 30% de rendement par an. Ah oui. Ça, c'est pas mal. Nice. Ah ouais, pas mal. Ça, c'est mon Et petit attends, plan. je réponds à une question enfin, qui est apparue plusieurs fois parce que. Ouais. Parce que c'est le problème que j'ai eu ces derniers jours avec Binance. Alors pourquoi je veux ouvrir deux comptes? Parce que le premier. Enfin, mon compte principal, il est géré par la société dont j'ai parlé au début. Et du coup, c'est pas moi qui. Enfin, je peux pas trader Dois dessus. faire Donc. dépôt, quoi. C'est eux qui gèrent et si je fais des trucs, ça va tout dérégler. Et comme je disais, j'ai envie de plus en plus d'être autonome moi-même. Donc j'ai investi sur d'autres, enfin sur Swissborg, crypto.com et un peu d'autres petits comptes résiduels. Mais il n'y a pas tout ce qu'on peut trouver sur Binance. Et donc Ouais. je cherchais un moyen de m'ouvrir un compte Binance pour trader moi-même. Et donc là, la solution, comme on ne peut pas avoir plusieurs comptes. Avec enfin on peut pas passer plusieurs KYC avec la même identité. Alors j'ai tout essayé hein, changer ma date de naissance, faire carte Mais comment d'identité, ça se fait passeport, si ton mettre la premier photo de mes compte. parents. Ah oui, Comment? ça aussi je l'ai Oui. essayé. Si c'est ton premier compte. Si Non, c'est, du tu coup vois, ton c'est. premier compte Binance, il est géré par la société. Normalement, Ouais. t'as pas mis ton compte bancaire dessus, tu vois. T'as pas mis de KSI dessus, si. Si j'ai bah si j'ai parce que je l'avais fait j'avais ouvert avant en fait avant de leur confier. Ah, Donc, d'accord. j'ai fait mon KYC dessus. Donc, du coup, j'ai ouvert un deuxième compte avec juste l'adresse mail, comme tu dis. Et je transfère sur ce deuxième compte depuis un autre exchange des bitcoins. Ouais. Et après, parce qu'en fait, ce qu'on ne peut pas faire avec le deuxième compte, c'est déposer de l'argent.
Mais tu Oui, peux tu peux transférer transférer Bitcoin, ouais, c'est ça. Parce que les moi j'ai trois cryptos. comptes et Et je mets des après, Bitcoins dessus. si je veux les retirer ou les trans enfin les récupérer en stablecoin, je me les rebalance vers un autre exchange ou vers mon compte principal Binance et Ouais. pour bénéficier, quoi. Ouais. Et du coup, tu les achètes tout du côté crypto sur crypto.com ou sur la Swissborne aussi? Non, j'utilise pas de bot de trading pour répondre à une question. Ah oui. Et j'achète quoi, tu dis, pardon? Du coup, tu les achètes tout tes cryptos? Tu les achètes sur quelle plateforme? Sur crypto.com, sur Swissborne? Eh ben les deux, mais Les deux? franchement, sur Swissborg, en tout cas le BTC et l'Ethereum sont tellement moins chers. Enfin, il y a une énorme différence, hein. Ouais. Il y a Entre. facilement 200, enfin pour le Bitcoin, j'avais facilement 200 à 300 € de différence. Non, même plus. Oh, 300-400 euros de différence pour le prix en entre live auquel entre t'achètes, quelle et le quelle prix d'achat. plateforme? Entre Swissborg et crypto.com. Ah oui. Et crypto.com était plus cher que Swissborg, c'est ça? Ah oui, nettement. Ouais, c'est ça. En fait, les gars, si vous voulez crypto.com, vous avez peut-être des frais moins élevés sur le papier. Par exemple, vous allez avoir, je sais pas, 0,5% de frais, alors que Swissborg, ce sera 1% de frais. Mais l'avantage de Swissborg, c'est qu'ils vont vous acheter le Bitcoin le moins cher du marché. Donc au final, ça revient beaucoup moins cher qu'un crypto.com. Et ça, c'est très avantageux. Ouais. Après, par contre, sur crypto.com, ils sont plus avancés. Il y a vraiment plein de trucs. Ils proposent plein de choses, comme enfin, donc le stacking. Ah oui, il y a un truc, c'est Superchargeur. Superchargeur. Je sais pas si tu connais. Supercharger, ça me dit un truc, c'est quoi? Ouais, en fait, J'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas ce que c'est exactement. bon, je sais pas si ce sera très bien expliqué, mais par exemple, là, en ce moment, tu peux charger des crocs sur NIR Protocol. Ça Ah, te parle? Nier, ouais, j'en ai entendu parler, si, si. C'est quoi ça en fait? Parce que j'ai pas suivi. Donc en fait, pendant 30 jours, tu peux déposer des crocs. Ouais. En fait, tu leur confies de l'argent. Mmh. Et à la fin des 30 jours, en fait, ils vont calculer. En gros, c'est comme si tu avais plein d'investisseurs qui mettaient un ticket sur NIR Protocol. Et à la fin de la charging période, ils vont calculer ton ratio de. Enfin, la part que tu as sur le total Ouais. qui a été investi, ils vont calculer ta part. Et après, tu as un. T'as un tirage au T'as sort. un pour... Non, non, après, tu as une reward période. Donc, 30 jours suivants, ils vont te distribuer des coins, Par des rapport à la intérêts, part en que fait, t'avais. par rapport à la part que tu avais. D'accord. C'est un token de gouvernance, du coup, non? Je sais pas si tu connais. Ouais. Je Non. pense, non. Et c'est. Attends, et NIR, il sert à quoi alors là-dedans? De quoi? Le token NIR. Ah, mais je sais même pas. Ah, Non, d'accord. j'avoue, j'ai même pas trop regardé, en fait. C'est vrai que j'ai pas trop. Moi aussi, j'ai pas trop suivi Mais là-dessus. j'en ai entendu parler par. Attends, je regarde, mais. Par plusieurs youtubeurs en qui Ok. j'ai confiance. Donc, Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal ça. ouais. Ouais. Donc, il y a ça. Et. Après, il y a la possibilité de transférer vers leur exchange et de te faire des prêts. Il y a la possibilité. Attends, il y a quoi d'autre? Et ça, Il y c'est a tout leur sur carte aussi, leur crypto.com? carte. Ouais, En avec fait, crypto.com. tu préfères Binance ou crypto.com, toi? Je trouve les deux sont un peu similaires, je trouve. Oui, non, Binance, je pense qu'il y a encore Je plus préfère de Binance quand choses. même. Ouais, Binance, il y a vraiment pas Ouais. mal de trucs. C'est L'épargne pour flexible, l'instant, tout ça. comme j'avais pas encore trouvé de solution d'avoir accès à un autre compte, j'ai pas encore trop exploré. Et je pense que là, comme toi, je vais y passer des nuits parce que Ouais, c'est tellement vaste. Déjà, t'es un truc. crypto.com, c'est hyper simplifié à côté. Il y a Ouais. beaucoup de choses. C'est Et alors, sûr. Swissborg, c'est encore plus Ah ouais. simplifié. Ah mais T'as genre un Swissword, tu guide. peux pas avoir plus simple. Genre c'est Non, un ouais. truc d'enfant. Donc c'est simple. Mais Mais c'est c'est pratique au même moins. ennuyant. C'est ennuyant du coup. Parce qu'en fait, une fois Oui, que t'as t'es limité quoi. fait ton truc, t'as plus C'est rien à faire. ça. T'as 10 Mais cryptos. quand tu veux Après, réussir, tu peux le faire. le yield farming est vraiment bien, je trouve, sur Swissword, ce qu'ils ont mis en place. C'est le fait en fait, ils ont mis par exemple sur. Tu peux stacker tes cryptos, tu bloques tes cryptos sur Swissboard et te rémunères tu vois, avec un rendement. Par exemple, sur l'USDC, c'est 30% par Ouais, an, tu mais. vois, c'est énorme. Une CHSB, c'est un peu moins. Après, il faut être premium. Si c'est pas premium, je crois que c'est 15%, mais tu vois, c'est déjà énorme. Bah, Comparé à un attends. livret A. Ah. Mais moi, par exemple, j'ai yield des CHSB et Ouais. c'est 2,82%. C'est rien du tout. Ah, c'est que dalle. Attends, je vais aller voir parce que moi j'en ai Yield aussi là un peu, vu que j'ai des CHSB, et je crois que c'est plus Ouais. aux alentours des 5%, un truc comme ça. Ah, mais 5, ah ouais, c'est bien. 5%.
C'est T'es ça, premium. 5%. Ouais, c'est ça, parce que je suis premium. Et si t'es pas premium, Ouais. c'est moins quand même. Donc c'est vrai que c'est à voir. Et est-ce que t'as des cartes bancaires crypto, toi? J'en ai aucune. C'est truc de fou, hein. Ah. J'en ai aucune. J'en ai jamais pris. Alors Ah que j'ai eu ouais, plein de fois c'est l'occasion. dommage. Mais en fait, j'en prends pas parce que j'ai pas envie d'être incité à dépenser, tu vois. Parce que je sais très bien qu'en vendant les bitcoins, Ah. si par exemple, tu vois, j'achète une baguette de pain aujourd'hui, tu vois, ma baguette de pain, ok, elle vaudra 1 euro. Mais ça se trouve, avec l'argent que j'ai dépensé en bitcoin, et ben dans genre la fin de l'année, tu vois, ça se trouve, elle vaudra 20 balles la baguette de pain. Donc, tu vois, ça me ferait un peu chier. Ouais, Donc, mais c'est en pour ça, fait, tu vois. mais oui, je comprends, mais après, moi, j'en ai commandé, mais je compte pas les utiliser, mais parce que, en fait, plus, tu sais, pour avoir des, t'as des paliers de, Ah oui. pour être, de pourcentage de cashback, par exemple, tu dois stacker, bah, sur crypto.com, c'est du croc, et plus t'attends, plus ils vont augmenter, en fait, à mon avis, D'accord. Ah, c'est intéressant ça. C'est vrai que le cashback est leur pas mal. Je crois que c'est qui avait annoncé leur cashback? Binance, je crois qu'ils ont sorti leur carte. Ils ont annoncé un cashback, je crois, à 8%, un truc comme ça, mais c'était énorme. Mais après, c'est si Attends, tu déposes beaucoup d'argent. ça c'est sur crypto.com les 8%. Ah, c'est sur crypto.com? Ça doit être aussi sur Binance Ouais. ça. Mais Ah c'est bah énorme, peut-être. 8%. Mais après, Mais il y ouais, a plein c'est de énorme. Mais conditions. je crois qu'il faut tu dois stacker, enfin bloquer 50, l'équivalent de. Ah non, c'était 38 000 euros, je crois. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est pas donné. C'est comme CHSB, comme Swissborne, hein, c'est pas Bah en donné fait, ouais, après, le. j'avais su que le croc là allait décoller comme ça. Oui. Que la carte crypto, j'ai commandé il y a une semaine. C'était avant que ça décolle. Ouais. Déjà, j'ai hésité franchement à prendre la plus haute là. Mais je me suis dit, bon, c'est pas trop si je dois bloquer autant d'argent. Et du coup, t'as Non. bloqué des crocs? Bah, du coup, oui, mais j'ai pris la carte T'as bien fait, hein, parce que un petit tu l'as peu. pris au plus Bah, bas du marché, pratiquement, du gros. non, mais déjà, j'en ai bloqué pour la carte, mais j'en ai bloqué aussi ailleurs dans d'autres trucs. Donc, ouais, là, le croc, j'en ai bien profité pour Ouais, l'instant. ça c'est cool. Ouais. Puis ça t'évite de les vendre aussi, tu vois, ça te les fait garder. Ça c'est une bonne Ah, et chose pour aussi, je plus haut. m'étais fait un prêt sur l'exchange avec des crocs. Ah oui. Et en fait, du coup, c'est trop bien parce que tu bloques. Donc, c'est soit des crocs, soit des BTC, soit des ETH. Tu peux emprunter donc une certaine somme en fonction du collatéral. Et pendant que la somme que tu as empruntée, tu la places et elle augmente, mais en même temps, ton collatéral, il augmente. Donc en fait, tu es gagnant sur les deux tableaux. Oh, comme c'est bien! Je l'ai jamais Ah oui. fait le prêt sur crypto.com. Mais de toute façon, c'est à peu près le même Et sur là, Pouce, mais c'est j'ai vrai que c'est fait un intéressant le truc, prêt, mais. après. J'ai fait un truc, en fait, je me suis trompée, mais finalement, c'est une erreur qui va aller dans le bon sens parce que tout est en hausse, heureusement. Mais en fait, je me suis fait un prêt. Et après, je me suis refait un prêt. Parce que tu peux faire jusqu'à trois prêts en même temps. Je me suis refait un prêt, mais en intégrant le premier prêt. Enfin, j'ai mal calculé et j'ai intégré la valeur que je m'étais prêtée. En fait, j'ai un prêt sur un prêt. Donc, c'est hyper risqué. T'as fait un prêt? Attends, t'as fait un prêt sur un prêt? Non, Et mais t'as fait exprès? ouais, mais j'ai pas fait. Non, je te dis, c'était une erreur. J'ai Et pas tu peux fait pas exprès. l'annuler? Bah, si, j'aurais pu, sauf que j'ai senti. Enfin, je le fais pas parce que. Bah, parce que c'est en hausse, là. C'était le meilleur moment, en fait. D'accord. Oui. Donc, Mais au final, t'as bien fait. là, en fait, il me reste. Enfin, là, j'ai plus que 3 000 dollars avant. Il faut que que le Bitcoin prenne encore quelques dollars et je pourrais rembourser bah, le prêt sur lequel j'ai fait un prêt. Oui. Et donc là, bon, après, c'est un peu compliqué. Mais, mais disons que c'est hyper risqué, mais là, c'était le bon timing. Ouais, t'as eu le bon timing, quoi. Juste avant que ça pète, le gros. C'est vrai que là, il nous a fait une belle performance, le gros. Mais en vrai, c'était prévisible parce que, en général, je sais pas si t'as suivi un peu les vidéos, mais tu sais, j'avais parlé du croisement bullish au niveau du MACD en weekly sur le gros. Ouais. Et Oui, ça en général, tu vois, c'est un truc de fou. Et à chaque fois que j'ai vu un croisement bullish, de toute façon, sur le MACD, en général, c'est très très positif. Et là, ça n'a pas manqué. Quand on a fait le croisement bullish, et 2 semaines après, et paf, on est parti d'une fusée incroyable. Et c'est vrai que ça fait mais plaisir. toi, tu penses que, enfin, de toute façon, alors, comme on est encore loin de la TH, on peut Il est très encore sous-coté, en facilement fait. doubler là. Ah ouais, mais.
Personnellement, moi je vise les 200-300%, tu sais, depuis le range qu'on a fait ici. Donc 200% ça représente l'ATH. 300%, tu sais, c'est vers les 30 centimes après, même un peu en dessous. Et je pense que Mais c'est à quel largement horizon? atteignable. À quel horizon tu prends, tu penses? Je dirais pour les. Enfin, je sais pas trop, c'est compliqué parce que vu le pump qu'on fait là, je pense qu'on va corriger comme à court terme, tu sais, pour encaisser Ouais. cette hausse trop fulgurante. Mais j'en sais rien parce que tu sais, le marché il bouge énormément aussi, le Bitcoin et tout. Mais je pense que d'ici. Mars, ça devrait être bon, enfin j'espère. Je pense que d'ici fin février, on sera de retour à l'ETH. Ça, j'en suis pas quasi sûr, mais il y Ah a ouais? moyen. Ouais, Sur le mais t'as gros? vu comment on est haut là? T'as vu comment on Fin est haut du février? micro? Je sais pas, bah. Je sais pas, bah, Ah je pense. Parce que tu sais, il est vraiment sous-coté, hein, parce que. Et si tu regardes, il a fait que descendre, ouais. et il a fait que ranger, alors que tout le monde pump. Donc, c'est vrai que, tu vois, le fondamental est toujours le même, le token est toujours aussi bien, et. C'est bizarre qu'il n'y ait pas d'engouement, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il a eu une vraie sous-évaluation, je trouve, par rapport aux autres altcoins. Donc, c'était pour ça que c'était intéressant de se positionner dessus. Et c'est vrai que ça n'a pas manqué, parce que par la suite, ça monte. Et je pense que c'est que le début au niveau du crow. On va voir, mais. Ah ouais, Moi, moi je je pense pense pas que que. c'était aussi court Ouais, terme. Parce mars maximum, on que s'entend la sur DH, l'ATH. c'était il y a quand même. Ah ouais, d'accord. Et après, tu penses que ça peut L'ATH, monter tu sais, on plus a 30% de l'ATH, hein. 38. haut? Ouais. Pas tant que ça. Après, au Ouais, long terme, on c'est verra. impossible à savoir. Parce C'est que, impossible. tu vois, le Ouais. Bitcoin, on sait à peu près, plus ou moins, tu vois, on a une target assez large, je dirais entre 150 000 et 200 000 dollars, tu vois, avec les indicateurs long terme mathématiques. Mais au niveau de l'ETH, c'est très compliqué, tu vois. Il y en a qui disent 10 000, d'autres 50 000, d'autres 100 000. Mais au niveau des altcoins, c'est impossible à savoir. Parce qu'ils n'ont pas assez Ouais. d'historique, tu vois. Et on Et ne sait pas comment ils du coup, forment au niveau des bullruns, etc. C'est complexe. quand on aura revend l'ATH, tu penses revendre tes Ah, moi, crocs quand j'aurai mon feu vert pour essayer de vendre. Enfin, faut toujours vendre par palier, de toute façon, parce que personne sait acheter. ou... Ouais. Enfin, acheter au bottom et revendre au top. Mais toi, tu as des indicateurs quand même qui sont très très pertinents, tu vois. Et je pense que je vais vendre une bonne partie de mes bitcoins quand j'aurai le signal de ces indicateurs. Et je pense que je vais pas vendre mes bitcoins tout de suite, tu vois, en euros et en stablecoin, tu Ouais. vois. Je vais verser en altcoin et pour essayer de surfer une éventuelle altcoin season pour la fin du bull run. Mais tu vois. Je sais pas si ça convient à tout le monde, parce que moi je sais que j'ai une stratégie d'investissement, tu vois, qui est très agressive. Et Ouais, du coup, moi je suis un peu c'est ça aussi. quand même assez risqué, tu vois, de mettre ces bitcoins en altcoin à la fin du bull run pour essayer de surfer une éventuelle vague de hausse. Mais bon, on va voir. Ouais, c'est sûr. Oh, il Et y a Crypto oui, Patrick il sur y live. en a un qui a parlé de la X-Enemy aussi. C'est un. J'ai De mis la un tout quoi? petit. Hein, X-Enemy, je sais pas si tu connais. Ça Ça me n'a dit rien du tout. rien. C'est quoi? Allô? Attends, je crois que Ah, c'est dans j'ai cru la. que ça avait coupé. Ouais, allô? Ah oui, Ouais, non, ça va, ça va. J'ai cru que ça avait coupé comme tout à l'heure. non. Non, non, c'est par rapport aux jeux vidéo. Type Et CM. c'est sur une swap. Ah, c'est sur Uniswap? Ouais. Enfin, Ah, moi, mais je tu l'ai parles trouvé du sur une XZ, swap. non? Ah oui, moi j'appelle X et demi, je sais pas pourquoi. Oui, Ah! c'est. Ouais. Le XED. Ouais. J'en ai beaucoup entendu parler, je crois que Hachor en a parlé, il me semble, il y a quelques semaines, et les abonnés m'ont dit, m'en ont parlé du coup en live, et je suis allé voir, mais je ne me suis pas renseigné plus que ça. En fait, ça parle de quoi? Enfin, c'est quoi le projet derrière de XZ, de XED? Bah, c'est pour ça permet je crois que c'est pour permettre aux gamers de enfin Ah de gagner de oui! l'argent, je sais pas tellement comment, mais c'est C'est une le monde du manière jeu vidéo. de savoir comment C'est dans le c'est dans le gaming. monde. C'est un Oui, peu c'est dans comme le gaming, US. et c'est pour se générer des revenus je pense pour les gamers. D'accord. Ouais, c'est En tout intéressant. cas, enfin moi les jeux vidéo j'ai aussi investi dans une boîte de jeux vidéo d'un pote qui donc là c'est plus du enfin, dans le concret, quoi, dans le réel, il a une boîte de jeux vidéo et ça fait quelques mois là que j'ai investi et j'y crois à fond. Ah, et t'as investi Donc, directement dans la boîte de ton ami qui fait ouais. Ah ouais, c'est cool. Mais il est pas attends, il est pas en Il est bourse. Tu l'as investi directement en par France. ouais, t'as investi directement par sa boîte, par lui quoi. Non, c'est Ah cool ça. oui, c'est ouais, dans le Mais capital. j'ai une question, je sais pas si tu y réponds ou pas, Il mais dit, elle est les bourrée dans son cœur. il y en a, il dit Mais ça, les non, mais il y cryptos. a vraiment des haters. Hein. Ah oui, non, mais il y en a. Ils n'aiment pas Mais les femmes, c'est une mais minorité, c'est une vraiment pas minorité. sûr. Parce que, tu vois, l'avantage des cryptos, c'est que les gens, tu vois, ils sont assez matures, tu vois, en général, ils ont, je sais pas, tu vois, la plupart des personnes, là, je pense, sur live, ils ont entre 20, tu vois, et 50, 60 ans pour certains. Et du coup, tu vois, c'est quand même bien, tu vois, c'est une communauté vraiment mature.
Et ça, c'est pas mal. Ouais, Après, t'as toujours des rigolos, tu vois, qui viennent foutre la merde. il Mais c'est vraiment une y en a, mais minorité. ça marche bien. 19, tu vois, Mais. il a dit. Mais, ah oui, je vais te poser une question. Du coup, les cryptos, par rapport à ton capital, genre total, tu vois, en termes de pourcentage, t'es assez exposé sur les cryptos ou pas? Ou genre, c'est très très faible? Attends, excuse-moi, je regardais le chat. Est-ce que tu peux répéter ta question? Je parle vite aussi. Je me posais la question, tu vois, vu que t'es un peu dans l'immobilier, t'es aussi un peu de, tu m'as dit, t'es sur les marchés un peu financiers, tu vois, les cryptos, ça représente une, est-ce que ça Ah représente oui. genre un gros pourcentage de ton capital, ou genre c'est vraiment, tu vois, tout petit, genre c'est à peine quelques pourcents? C'est une très bonne question. Alors, en fait, dans l'IMO, ça dépend de ce que tu prends comme capital, si c'est la valeur estimée du total des biens ou si c'est la valeur nette. Parce qu'en fait, comme tu sais, j'ai emprunté la majorité. Donc, le patrimoine immobilier, il a une valeur estimée, mais moi, j'ai remboursé qu'une petite partie. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es encore Donc, endetté entre guillemets vers la banque. oui, je suis très endettée envers la banque. D'accord. Mais donc, si on prend. Enfin, oui, je suis endettée Mais c'est une très bonne chose. Je sais pas à si t'as lu frontière. le livre comment il s'appelle, Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki, et tu sais, il dit Non, mais que. je l'ai pas lu. Oui, pardon. Tu l'as pas lu? Et il dit que tu sais, l'endettement, c'est très très bien, parce que ce qui te permet de faire de l'effet de levier au niveau de l'immobilier. Non, mais si on prend la valeur estimée des biens, Ah oui. estimée des biens que je pourrais revendre, je sais pas. Les bitcoins, les cryptos, ça représente pour le moment, enfin, la location du patrimoine total, je dirais que ça fait à peu près 10%, 10%. ouais, 10% en crypto. Attends, mais c'est bizarre. Ouais, c'est 10% en crypto, 5% en bourse, enfin, en Ouais. bourse. C'est pas du tout équilibré, je me rends compte. Ouais. Non, attends, mais non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. 5. Non, donc 15. Attends. 10% en crypto, 5% en bourse, 10... 8-10% en business angel, enfin sur des Ouais. sociétés. Et il reste en IMO. D'accord, donc t'as une grande partie en IMO, quoi. Ouais, mais encore une fois, c'est la valeur estimée. Oui, Donc. genre, c'est tu comprends tous les biens que t'as, mais sans comprendre la dette que t'as au niveau des banques, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ok, ouais. ok. Et. Et non, j'ai pas suivi de formation immobilière, j'ai payé aucune formation immobilière Ah, pour t'as répondre pris aucune à cette formation au niveau de question. l'immobilier? Non, il parle. T'as suivi de formation immobilière dans l'escroc? Non, pas du tout. J'ai rien suivi. Je me suis. Enfin, je suis auto. J'ai suivi Autodidacte. des vidéos YouTube Et t'as gratuitement, réussi mais quand même. je suis allée à beaucoup d'événements où j'ai beaucoup parlé. Moi, j'aime beaucoup parler. Enfin, j'apprends beaucoup en parlant. Aux gens plus âgés ou qui ont plus d'expérience, j'adore ça. Et après, je me suis ramassée beaucoup de fois au début. Enfin, j'ai eu des problèmes avec des artisans, j'ai vraiment Ouais. appris sur le terrain. Mais. Et t'as eu beaucoup de problèmes à gérer, parce que c'est vrai que l'immobilier, c'est un peu la galère. Parfois. Ouais. T'sais, genre quand t'as des problèmes au niveau des artisans, t'sais, faut surtout tout organiser quoi, c'est faut Ouais, faire la c'est bon. J'ai gestion. pas mal de problèmes avec les artisans, mais maintenant, j'ai mon équipe. Qui est super et qui est fidèle et ça met un peu de temps à se créer un réseau au début mais Oui. après mais ça reste enfin ça n'empêche pas qu'il y a des difficultés tout le temps et c'est assez complexe mais moi enfin j'adore ça en fait même si c'est pas pour une Oui, c'est ça. En fait, question il faut même si... trouver. Quand tu trouves ce qui te plaît, en vrai, toi, tu t'en fous que ouais. t'aies des problèmes, parce que tu vois, ça fait partie du truc. Tu vois, il y a beaucoup de gens, par exemple, tu vois, moi, j'adore, tu vois, le marché, tu vois, tout ça, j'adore ça. Et je sais que, tu vois, pour les personnes, ça va créer une source d'anxiété, tu vois, le fait que ça monte, le fait que ça descend, etc. Mais tu vois, moi, je kiffe, du coup, ça me dérange pas. Mais je sais que, par exemple, si je me mets dans l'immobilier, tu vois, genre un peu de pression, tu sais, au niveau de ce que l'artisan va bien faire son travail et tout, tu vois. Alors que pour certaines personnes comme toi, tu vois, par exemple, tu vas être plus à l'aise et ça va être plus simple à gérer, quoi, Ouais, des problèmes. Donc au final, c'est des j'aime bien problèmes, le faire. mais si tu vois, genre, t'arrives à les gérer, c'est pas tant des problèmes que ça, tu vois. C'est plus des petits obstacles à passer qui sont pas non plus très graves. Donc c'est vrai que c'est Ouais. intéressant. Et sinon, bah, la location, je te disais, c'est à peu près 10% en valeur brute, du coup, enfin par rapport à tout. Mais Ouais. si je prends en valeur nette, sans compter l'endettement,
C'est plus 25-30%. Enfin, D'accord, ouais, donc c'est plus. 30, ouais, 30, non, 30%. Attends, je sais pas exactement en Ouais, à peu fait. près, ouais. Et t'as Non, c'est même pas. dû. Tu t'es. T'as pas fait Non. de prêt au niveau de la banque pour acheter les cryptos. T'as pris de ta propre Ah non, non, poche, non. ouais. Non, non, c'est 20%. Et Attends, je vous j'en fais pas le chat. déconseille, dans le chat, je vous déconseille très fortement de faire un prêt à la banque pour parier sur Ah les oui, non. cryptos. Ne faites pas ça, les Ah, gars. Ne faites pas ça. C'est beaucoup trop risqué. Vous pouvez le c'est clair. faire, mais ouais, c'est chaud, quoi. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille fortement. Non, c'est un peu le mirage. Mais en fait, faut savoir que. De toute façon, on est dans une Enfin, bulle là actuellement dans les cryptos, donc il y a un moment où elle va ouais, péter quoi. même dans les traders pro, il y a 80% qui sont en perte, il paraît. Ouais. Au niveau du marché, les traders, c'est même plus, tu sais, l'AMF, ils ont sorti un chiffre et c'est bien 94%. 94%, je crois, des traders qui sont perdants, il me semble, mais au niveau des particuliers. Et en fait, les seuls qui gagnent, tu vois, c'est ceux qui ont les infos avant tout le monde et c'est les traders professionnels. C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours les gros qui ramassent. Et en général, les particuliers, tu vois, c'est plus ceux qui perdent. Après, c'est au niveau du court terme, tu vois. En vrai, Bitcoin, si tu holds, tu vois, du Bitcoin depuis que. Pas depuis sa Ouais. création, mais juste à n'importe quel moment, même si tu achètes au pire moment, tu vois, au top du bull run en 2017 à 20 000 dollars, tu vois, même aujourd'hui, t'es sur un fois deux fois trois, tu vois, donc c'est assez hallucinant. Et c'est ça qui est bien avec Bitcoin, c'est que tu peux acheter au pire moment, tu vois. Tu peux être sûr que tu attends 2, 3, 4 ans, si bien sûr il n'y a Ouais. pas de drame au niveau de la blockchain, tout ça, tu es sûr de retrouver ta mise de Ouais, parce que départ. t'es sûr qu'en 2-3-4 ans, t'auras eu au moins un bull run. C'est ça, et ça Donc, c'est incroyable, tu vois. Alors que tu vois, sur le marché traditionnel, tu paries sur des actions ou des marchés, genre tu peux mettre de l'argent et t'attends 10 ans, 20 ans, tu vois, t'as le temps de mourir, t'as le temps de faire des gosses et faire ta maison, et le marché ne remontera jamais. Après, la tendance peut s'inverser aussi, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant. Et j'avais une question, toi, tu en penses quoi de la régulation au niveau des États, tu sais, en France, au niveau des cryptos, la BCE, tout c'est ça? inévitable. C'est inévitable que ça va arriver. Et en fait, là, moi, je te parle. Enfin, j'ai pas vraiment d'avis ou d'infos personnellement, mais. Encore une fois, bon, je vais attirer des haters, mais la société qui gère une partie là, enfin, de mon compte Binance, le gars m'a dit, bah, eux, ils ont des infos quand même enfin, assez en amont, même si on ne sait pas encore, mais pour lui, l'année prochaine, c'est sûr, enfin, ça va arriver. Donc là, c'est un peu l'année où faut y aller à fond. Ouais, on profite en max pendant que ça pète. En fait, il dit ça parce que même l'année prochaine, ce genre de société, c'est pas sûr qu'ils aient le droit de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Ah, De. à cause de la régulation? Ouais. D'accord. De gérer des comptes d'autres. Ou alors, en tout cas, Et. ça se fera pas de cette manière, pas aussi facilement. D'accord. Ouais, c'est intéressant ça. Et toi, t'arrives à avoir des infos par eux parfois? Genre, tu sais, où ils. De toute façon, tu le vois sur ton compte Binance quand ils achètent ou quand ils vendent. Ouais, tu veux que je t'envoie les ordres? Non, mais oui. Vas-y. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce que vu que c'est des entre guillemets baleines institutionnelles, ils ont enfin ils ont pas un coup d'avance à chaque fois, mais en général, ils arrivent bien à se positionner au bon endroit et à ressortir au bon endroit. Ouais, Donc c'est vrai que c'est intéressant. ben, surtout en cas de, enfin de, oui, de ralentissement du marché, c'est Ouais. encore plus intéressant. Mais oui, ce genre d'infos sur la régulation, etc. Oui, ben, parfois on a des mails. Enfin, en tout cas, je peux te tenir au courant, hein, Ouais, si tu veux. c'est chaud. Mais et que penses-tu de tous les médias qui sont en train d'entre guillemets retourner leur chemise, un peu comme JP Morgan, un peu comme BFM TV, tout ça, qui crachaient sur Ouais. Bitcoin bien comme il faut dès qu'il fallait Ah oui. jusqu'en 2017. Et puis après, ils retournent leur chemise et ils déroulent Ah oui. le tapis rouge, tu vois. Mais c'est comme dans tout, hein. Là c'est les cryptos, mais c'est dans tous les sujets. Enfin, dès qu'il y a un nouveau truc. C'est ça. En général, c'est Enfin, en fait, plutôt, c'est méfiant, quoi. les Français ou les gens de manière générale sont contre. Enfin, sont réticents face au changement. Donc dès qu'il y a un nouveau truc, une innovation ou un changement. Toujours on freine des cas de fer et dès que ça marche un peu. C'est sûr. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi au niveau des institutionnels, c'est que en général, tu vois, personne va être le premier à rentrer, tu vois, parce que si ça marche pas, tu vois, genre ils vont se faire ridiculiser. Par contre, dès que t'en as un qui rentre,
Tu peux être sûr que t'as tous les autres derrière qui vont Ouais. suivre, parce que personne ne veut être le dernier, tu vois. Les moutons. Et c'est ça, les moutons. Et c'est un truc de fou, tu vois, parce que PayPal, ils sont rentrés, et après, ils sont tous arrivés, et ils sont tous rentrés sur le Ouais, Bitcoin. mais bon, après, on peut pas leur en vouloir, Mais c'est un peu normal. c'est leur... Ouais, c'est comme Ouais. ça que ça marche, quoi. C'est sûr. Ouais. Mais c'est pas plus mal, parce que moi, tu vois, dès qu'il y en a un qui rentre, là, c'est bon, tout le monde est rentré, et ça, c'est bon. Et j'avais une question à te poser, tu vois, moi j'ai une petite théorie, tu vois, je pense que le bull run qu'on a eu en 2017, tu vois, c'était plus celui des particuliers, celui qu'on vit actuellement, c'est plus les institutionnels, et Ouais. je pense que, tu vois, il y a moyen que le prochain bull run, ce soit peut-être celui des États, tu vois, des gouvernements, tu vois, et tu commences à Ouais. avoir des pays qui commencent à investir Oui. dans le Bitcoin. Toi, tu penses que c'est faisable, ça? Ah, mais c'est carrément faisable puisque déjà aujourd'hui, ça, enfin, on sent que bah, y a des villes, tu vois, des villes, des. Miami, il y a eu récemment. Ouais, Miami, bah, donc les villes, c'est avant les États, donc je pense Ouais, que. il y a moyen. Je pense qu'il y a bien moyen, et Mais même. je crois qu'il y a déjà des États. Enfin, Il me même. semble que En fait, mais c'est pour ça, l'Iran, mais je je suis pas trouve sûr. que ça m'étonnerait que les États attendent 3 ans. Enfin, 3 ans, ça me paraît dans super longtemps, Oh, vu la même vitesse à laquelle ça va. le prochain bull run. Ah ouais, c'est si, il devrait être dans 3 ans, je pense. Parce que ah non, même plus, parce que tu vois le prochain halving, il est mai 2024. Donc si on suit la logique des choses, normalement le prochain bull run, tu vois, il devrait être pour 2024-2025. Ouais, mais ça m'étonnerait que les États, vu la vitesse à laquelle ça va, maintenant, toutes les Ouais. sociétés qui se. Là, Tu d'ailleurs, tu ça me fait penses un peu. que il peut y avoir des États qui rentrent là d'ici la fin du bull run? Moi, j'y crois pas trop, parce que je pense qu'ils sont lents, les États, quand même. Hein. Bah oui, non, peut-être pas qu'ils rentrent, mais Ils est-ce s'y qu'il n'y aura intéressent, pas quoi. un nouveau bullrun avant en 3 ans? Je sais pas. Je sais pas C'est si vrai, c'est. que c'est possible, ça, qu'en fait, on n'est pas de bear Ouais. market, qu'on fasse un bull run géant. J'y crois pas personnellement, mais c'est vrai que c'est, faut pas le mettre de côté, quoi, parce que c'est toujours possible. Ouais. Ça, ce serait Et du incroyable. coup, ce serait incroyable, ouais. Mais ça me fait repenser à un projet là, que j'ai vu ce matin. Et, tu sais, on parlait du e-commerce tout à l'heure ensemble. Oui. Et je sais, en fait, c'est encore une fois, c'est Hunter de CryptoMatrix qui l'a posté. C'est Utrust, c'est une solution de paiement en crypto via avec Shopify. Ça me dit un truc. Shopify, c'est Ça pour a faire l'air ouf. les sites, c'est ça? Ouais, Ils ouais. sont énormes, je crois. Ouais, mais Et c'est énorme, je sais pas. Utrust, c'est quoi? Et donc, et ben là, c'est une appli qui permet de payer en crypto sur les plateformes, enfin sur les e-commerce. Et c'est récent, ça, ou pas? C'était, bah, il l'a posté ce matin, donc D'accord. Ok, ah oui, je ouais, crois. Là, c'est c'est en quand même assez nouveau. waiting list, D'accord. le truc. Et Et c'est vrai que. Et du coup, attends, Utrust, tu m'as dit, c'est ce qui fait. C'est quoi déjà? J'ai oublié. J'ai même pas bah, trop. c'est une solution de paiement pour payer en crypto sur quand Ah! t'achètes en ligne. Donc ça veut dire que sur Shopify, par exemple, on pourrait acheter directement en crypto. Bah oui, mais c'est Mais énorme ce serait ça. incroyable. Ça veut dire que on pourrait acheter Shopify, via c'est. PayPal. Via PayPal, il y a aussi Visa, tu sais, qui vont mettre en place les cryptos avec Ouais. Mastercard, tu sais. Ouais. Et aussi Utrust, tu sais, qui pourrait le mettre en Ouais. place. Et Stripe aussi. Ouais. Ce serait bien qu'ils le fassent. Je sais pas si c'est possible, Ah Stripe. oui. Eh bah, je sais pas si c'est dans leur projet, mais. Parce qu'ils sont gros, eux Ça aussi. serait. Ouais, ils sont très très gros. Bah, c'est un peu. Bah, aujourd'hui, sur Shopify, c'est les principaux. Ouais. Ouais. Enfin. Et il y a aussi. Tu penses, t'en penses quoi, Ah, toi, attends, Stripe, des. il y a quelqu'un qui dit Stripe le fait déjà. Moi, je savais pas. Ah, le Stripe le fait déjà? Bah, c'est énorme, ça. Ouais. Tant mieux. Et les GAFAM, tu vois, genre tout ce qui est Google, Amazon, Facebook, Microsoft, tu penses, toi, qu'ils vont réussir à. Enfin, ils vont rentrer dans la course au niveau de ce bull run ou pas? Ou ça arrivera plus tard? Ah, au niveau de ce bullrun. Ouais, au Bah, niveau de ce honnêtement, bull run. je sais pas très bien. Non, je sais pas trop. Parce Peut-être que certains. c'est complexe quand même. Parce Mais. que tu vois, Tesla qui Ouais. rentre, moi je me dis que tout est possible, Bah tu oui. vois, genre un petit Oui, parce Amazon que ou un petit Apple qui rentre. Tesla, on l'a su pas longtemps avant. Tesla, c'est très récent, ouais. Ça fait une semaine, pas Non, mais plus. on. Oui, mais Ils sont rentrés en ils l'ont janvier, ouais. dit que Oui, c'est c'est ça. quelques jours avant. Donc on n'est pas à l'abri de ça, d'apprendre du jour au lendemain que un Google ou autre rentre. Ouais, ils sont rentrés. Et je crois qu'ils sont rentrés en janvier, Tesla. Il me semble. Décembre, janvier, si je me trompe pas. Non. Peut-être Tesla, non, avant c'était même. pas début février? Ah non, non, mais je veux dire, ils sont rentrés sur le marché, tu vois, en décembre, janvier, mais ils ont annoncé la news en février. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ah oui, Donc, je savais pas ça. tu sais, ils rentrent souvent en avance. Si par exemple, tu vois, Apple, ils annoncent qu'ils vont acheter du Bitcoin,
y a de grandes chances que tu vois, il l'ait déjà acheté, tu vois. Parce Ah oui, que. oui, je sais ce que tu veux dire. Parce qu'en Ouais, général, tu bon. vois, ils le font avant qu'ils disent l'annonce. Parce que, tu vois, quand une grosse entreprise comme ça rentre sur le marché, en général, le prix, il monte assez fort. Mais Ouais. il y a aussi BlackRock. Je sais pas si tu connais BlackRock. Oui. Oui, enfin de nom, oui, c'est le plus gros fonds, je crois. C'est ça. Ils ont 7 800 milliards, mais c'est énorme. Ouais. 7 800 milliards. C'est un truc de dingue. 7 800 milliards, c'est énorme. Eux, C'est énorme. ils font le marché. Ah ouais, mais c'est sûr. Mais Ah, ça me fait peur aussi parce que tu vois, il y a déjà Grayscale, tu vois, qui est énorme et qui ont, je crois, ouais. 40 milliards là. Et ils représentent 3% des bitcoins total. Ah ouais. Et Et non, mais donc, tu vois, quand tu te dis, putain, t'as c'est des chaud. baleines comme Ouais, mais tu vois, ils t'as peuvent des contrôler le baleines marché comme du coup. dis que les États, c'est obligé qu'ils s'y mettent, c'est pas possible. Ah, Enfin, sinon ils ont plus aucun pouvoir. ouais, oui. C'est vrai que, en fait, la blockchain, c'est soit ça passe ou ça casse. Soit les États, ils vont se braquer contre. Enfin, pas la blockchain, mais je veux dire Bitcoin. Soit ils vont se braquer contre et ils vont tout faire pour essayer de le réguler à fond et essayer de l'interdire, entre guillemets, même si ça va être très compliqué. Ou alors, ils vont aller avec. Et en fait, ce qui va être bien avec ça, c'est que ça va faire pareil que les institutionnels, si tu veux. Il suffit qu'il y ait un État assez gros qui rentre dans le Ah Bitcoin. oui. Par exemple, tu vois, je sais pas, la Ouais. Chine, aux États-Unis, ou peut-être même moins gros, tu vois, l'Italie, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Un pays, tu vois, assez fort quand même économiquement, qui rentre sur le Bitcoin et tu vois, qui dit publiquement qu'ils achètent des Bitcoins pour leur sécurisation, tu vois, financière, un peu comme de l'or, tu vois, pour leur réserve de valeur. Et ben, tu peux être sûr que tous les autres pays, par la suite, ils vont commencer à s'y intéresser, ils vont commencer à suivre, comme les institutionnels, parce qu'ils vont pas vouloir être à la ramasse, tu vois. Et ça pourrait être incroyable, parce que ça va faire un bull run de gouvernement. Et moi, ce que je kifferais le plus, c'est voir le petit Bruno Le Maire, tu vois, arriver et faire bon. Finalement, on s'est trompé, on achète du Bitcoin avec Christine Lagarde, ce serait drôle. Mais je pense que c'est pas pour demain, quoi. Mais ce serait drôle. C'est pas pour moi, mais ça peut arriver vite. Hein. Ouais, ce serait excellent. Mais bon, on verra. Si Bitcoin est toujours debout, mais bon, je pense qu'au niveau de Bitcoin, tu vois, on a déjà fait le plus dur. À mon avis, les 10 premières années, là, de Ah oui. 2008 à 2018, c'est vraiment les années les plus dures, tu vois. Bon, on a fait plusieurs, mais du coup, on a. Enfin, peut-être pas toi, mais du coup, moi, j'ai loupé le meilleur alors. Bah, on a tous loupé un peu le meilleur, quoi, parce que on est tous Ouais. arrivés assez tard, mais bon, c'est vrai que je pense que même si tu vois une personne qui arrive maintenant dans les cryptos, elle est quand même très privilégiée, hein. Parce que tu regardes sur YouTube, tu vois, donc on sort nos vidéos, tu vois, que ce soit Cryptomatrix qui est dans le chat, du coup c'est cool, et Ouais. Cryptomatrix, ou tu vois, moi, tu vois, on fait, ou d'autres personnes, tu vois, Asher et tout, tu Ah vois, en bah général, bonjour à Cryptomatrice. Je le suis aussi activement, il est ah bah génial. c'est cool, Vous êtes oh, mes deux regarde ça, préférés. il a offert 5 subs. Merci à lui, c'est Ça. cool. C'est Ouais, vrai vous que êtes franchement mes deux préférés. Cryptomatrix, c'est drôle, ouais, parce que je l'ai suivi, il avait genre 30 abonnés, tu vois, au tout début, tu vois. Et je me souviens, tu vois, il avait mis un Ah. commentaire sur une vidéo YouTube de crypto, et j'étais allé sur sa chaîne, tu vois. Et du coup, j'ai suivi depuis là. Maintenant, c'est pas contre toi, Cryptomatrix, mais j'arrête de regarder tes vidéos pour pas me biaiser mon avis, mais c'est vrai que c'est intéressant, et tu vois, tu vois l'évolution. Parce qu'il y a 2 ans, je m'en souviens, Cryptomatrix, on était 30, et les vidéos, elles faisaient, tu vois, 100 000 vues, tu Ah vois. Et pareil, quand j'ai lancé ma chaîne, tu vois, c'était 100 000 vues, tu vois, il y a à peu près un an, et puis après, bah, ça prend de l'ampleur, et tu vois, là, on passe à plusieurs dizaines de milliers de vues, mais ça reste encore faible, tu vois. Genre, c'est 30 000 vues, tu vois, après, les vidéos, maximum, tu vois, 20-30 000. Et ce ah. qui est intéressant avec ça, c'est que YouTube, je trouve, c'est un très bon moyen de savoir où on en est, tu vois, par rapport à la technologie, Ah par rapport oui. au Bitcoin. Et Ouais. tu regardes les vidéos Ben, moyennes de YouTube, tu vois, c'est 100 000, Cryptomatrix, 1 million c'était d'abonnés. marrant parce que. Et en Attends. crypto, c'est très rare, tu vois, les vidéos qui font 100 000, 1 million de vues. C'est très très rare. Ouais. Mais toi, là, t'es. Moi, quand j'ai commencé à te suivre, t'étais à moins de 10 000, hein. T'étais, je sais plus combien, t'étais à 33. Ouais, C'est mais ça monte il y a à exponentiellement. peine un mois. Dis-toi que novembre. Fin novembre, on était 5 000. En vrai. Ah T'imagines? Et genre. ouais. Ça va être exponentiel, hein. C'est ça, c'est Comme ça. C'est fou, c'est fou. Et il y a aussi la Google Trend pour ça à regarder. ouais. Mais moi, Qui est très j'ai. intéressante. Enfin, je sais pas si c'est une bonne chose qu'il y ait trop de. Les gens qui arrivent en. Enfin, bon, soit t'es en hold hyper long terme et tu t'en fous, mais je pense qu'il y aura pas mal de dégâts aussi, hein. Parce que les gens qui vont Ah arriver à la oui. fin du Ah mais c'est programme. sûr. Il y en a plein, ils vont se ramasser. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est que je trouve que, tu vois, au niveau de l'univers crypto, sur YouTube, tu vois, sur Twitter, etc. Alors sur Twitter, c'est différent, quand même, parce qu'il y a pas mal de hype, et je trouve que sur Twitter, tu vois, ça s'emballe assez vite.
Mais sur YouTube, je trouve que c'est quand même assez modéré, tu vois. Et la plupart des personnes qui parlent de crypto sur YouTube, elles comprennent que, tu vois, on est dans une bulle, elles comprennent que par suite, on risque d'avoir un marché baissier. Donc, à mon avis, il y aura beaucoup de pédagogie. Et tu vois, un nouveau qui arrive sur le marché crypto et qui va sur YouTube, à mon avis, tu vois, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont parler qu'on est dans une bulle et que éventuellement on peut se retourner à n'importe quel moment, tu vois. Donc ça, déjà, je trouve ça juste super, tu vois. Parce que imagine le mec qui arrivait en 2013 ou en 2011 sur le Bitcoin, et tu vois, le Bitcoin était en bull run, t'as fait personne, tu vois, qui parlait de Bitcoin. Donc là, t'étais sûr de te faire avoir, tu vois, à cette époque. Ouais, c'est vrai. Ouais, après, il faut aller chercher l'info, hein. Ouais, Peut-être pas c'est tout le monde ça. est... Faut aller chercher Enfin, aussi par si, peut-être. soi-même. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, tu vois, je vois beaucoup de monde qui disent ça, si seulement j'avais connu le Bitcoin, tu vois, en 2011 ou en 2013, je serais riche, etc. Mais c'est plus complexe que ça parce que j'ai vu le cas récent, je sais plus, il y a quelques semaines, de, je sais pas si tu connais ou pas, Journal du Coin. Ah oui, Et lui ben, aussi, il est cool. il y a Benoît dedans, je sais pas si tu connais. Et ben, tu vois, lui, il est dans le Bitcoin, il me semble, si je dis pas de conneries, depuis 2013, tu vois. Alors, il a dû faire, il doit avoir beaucoup de Bitcoin, je pense. Mais à mon avis, tu vois, il a fait plus de pertes que si, tu vois, il avait acheté en 2013, il avait gardé jusqu'à aujourd'hui. Parce que, tu vois, il a dû revendre entre-temps, etc. Et en fait, je pense que n'importe qui, tu le téléportes en 2013, il n'arrivera pas à tenir, tu vois, ses Bitcoin jusqu'à aujourd'hui et faire une bonne performance. Forcément, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en 2013 et tout, mais qui se sont foirés parce qu'ils ont revendu, acheté au mauvais moment à cause des cycles. Ah, allô? Ouais. Ouais. Ça coupe un Oui, ça a peu, coupé. ouais. Donc, Bah oui. Non, après, de toute façon, tout dépend. La stratégie, ça dépend vraiment de tes objectifs et ce que tu fais à côté. Et t'as le temps de t'en occuper. Ouais. Enfin, moi, là, je me suis mis à fond, mais du coup, Mais des ça fois, ça mange vachement de peut. temps hein, par rapport à ça. Et ça peut biaiser aussi, t'sais, le. Enfin, ça peut biaiser notre psychologie d'investissement, tu sais, quand tu regardes tous les jours, tu sais, quand t'es à fond tous les jours, tu vois. Ah Parce oui, que ouais. t'as l'effet, Ah tu vois, oui, des clair. réseaux sociaux et tout ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, des opportunités d'investissement, il y en a tout le temps, en fait. Enfin, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Et il faut pas se dire je suis arrivé à la fin, parce que si demain c'est pas le Bitcoin, ce sera peut-être enfin quelque chose qui a rien à voir avec les cryptos. Mais je sais pas, il y a eu le e-commerce, il y a le e-commerce, il y a plein de Oui. trucs qui sont Et hyper lucratifs. ce qui est bien, tu vois, dans notre, je trouve, dans notre, comment je pourrais dire, dans notre société entre guillemets, tu vois, notre vie actuelle qu'on vit, c'est que on a des nouvelles technologies qui arrivent hyper régulièrement. Tu vois, par exemple, Internet, la blockchain, l'e-commerce, tout ça. Et en fait, c'est ce que tu dis, t'as des opportunités tout le temps. Genre, même si tu loupes l'opportunité des cryptos, tu peux être sûr que durant les 10 prochaines années, t'auras d'autres opportunités aussi grosses qui vont arriver, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est énorme, tu vois. Alors Il que faut prévoir. il y a un siècle en arrière, c'était différent. T'avais pas des opportunités comme ça qui arrivaient toutes les Ouais. 5 minutes. Ouais, mais il y en avait aussi. Il y en avait quand même. Oui, c'est sûr. Mais il y en avait moins, je pense. Tu prends par exemple la terre. Par exemple, les vignes, tu vois. Oui. Les vignes, donc c'est aujourd'hui, ça, enfin, moi j'habite en Bourgogne, et donc c'est très enfin, réputé pour le vin. Ouais. Et les vignerons aujourd'hui, ils sont tous, enfin pas tous, mais ils sont facilement multimillionnaires, mais en terre en fait, en terrain, D'accord, leurs ouais. vignes. Et à l'époque, enfin, moi j'ai un ami vigneron de père en fils, il me raconte son père, ou c'était, ou son, non, son, pas son père, son grand-père ou son arrière-grand-père avait acheté une vigne contre un cheval. Alors Donc qu'aujourd'hui, ça vaut des cheval. millions. Et aujourd'hui, cette vigne, elle vaut 1 ou 2 millions d'euros. Oh Enfin, c'est en Côte putain, de Beaune. c'est Ça fou. vaut des millions. Mais Donc, tu vois, par contre, ça c'est sur plusieurs générations, tu vois. ouais, C'est long, quoi. oui. Tu vois, c'est Ouais, comme par exemple, tu regardes les mais je révolutions pense dans le que. passé, tu vois, par exemple, la machine à vapeur, tu vois, tout ce qui est, par exemple, la voiture, tout ça, tu vois, c'est tous des révolutions, tu vois, l'électricité, mais tu vois, ça a mis plusieurs dizaines, voire centaines d'années, tu vois, à se mettre en place. Alors que tu regardes Internet, en 20 ans, tu vois, c'était plié. Tu regardes le Bitcoin, en 10 ans, tu vois, genre, c'est plié, tu vois. Ah oui. Enfin, je veux dire, c'est Oui, plié, mais entre bon, guillemets, tu je vois, ça a pense eu le temps que. d'exploser. Ouais, non, je sais pas le pourcentage, mais un cheval contre 2 millions aujourd'hui, Oui, c'est très très je sais pas bon. que. En 2 générations, ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais après, tu vois, un bitcoin à 4 centimes, à 48 000 euros, à Oui, 50 000 c'est euros vrai. en 8 ans, c'est aussi très Encore très pire. bien. Ouais, non, c'est sûr. Mais Mais et... bon, après, encore une fois, c'est bien de diversifier, c'est bien d'avoir un peu de terre, un peu C'est sûr, d'eau, c'est un peu sûr. Ouais. de crypto. C'est vrai que, tu vois, moi je suis encore jeune, tu vois, j'ai pile 20 ans, et du coup, tu vois, j'ai pas eu le temps encore de me diversifier, tu vois. Donc là, je suis quasiment Ouais, all-in, non, tu vois, dans les mais cryptos.
Donc si tu vois demain les cryptos c'est terminé, toi mon capital je repars à zéro. Après tu vois j'aurais rien perdu parce qu'il y a 2 ans j'avais pratiquement rien, mais ça va vite quoi. Ouais. Et faut se Non, protéger, se diversifier. en fait, faut tu commences avec enfin tu surfes avec ce qui se passe en ce moment. Donc si par exemple tu t'y étais intéressé l'année prochaine et que c'était pas le moment, tu aurais peut-être commencé par du e-commerce ou par l'IMO ou par autre chose, et après Oui, c'est ça. t'aurais Je serais tombé dans les cryptos. ouais. Après, l'avantage des cryptos, c'est que tu vois, c'est plus accessible, je trouve. Tu vois, le marché des actions, la bourse, c'est quand même accessible. Oui. Accessible. Les cryptos, je trouve, c'est encore plus accessible que les marchés. Mais surtout, Ouais, les cryptos, c'est encore plus accessible que, par exemple, l'immobilier, tu vois. Et c'est puis, vrai. l'avantage, par exemple, du Bitcoin ou des cryptos, c'est que tu peux mettre une fraction, tu vois. Tu peux mettre quelques euros, quelques dizaines d'euros, tu vois. Alors que les actions, parfois, tu es obligé d'acheter. Tu vois, l'action, genre entière. Ouais. Non, mais c'est vrai, non, les cryptos, c'est vraiment c'est une pépite, C'est une pépite, c'est une quoi. pépite. Mais C'est une pépite. c'est sûr. Pépito. Mais c'est sûr que c'est. C'est vrai que, à mon avis, franchement, pour cette année, tu peux pas avoir mieux, je pense, en termes de rendement au niveau du Bitcoin, au niveau des cryptos. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit, il faut surfer en fonction de ce qui se passe en ce moment. Et en ce moment, c'est plutôt. Et l'année En ce prochaine, ce sera moment. Oui, peut-être pas. L'année peut-être prochaine sera peut-être pas l'opportunité de l'année, les cryptos, mais je pense que cette année, là, 2021, c'est la bonne année. ouais, c'est clair. Bon, on va se quitter là-dessus, je crois. 23 h, on va le parler. C'était cool. Ouais, c'était C'était bien très cool. cool. Je pense que je te demanderai des conseils le jour où je vais passer en immobilier. Ça pourrait être cool. Ça se trouve, un jour, Ah on oui, en fera une immobilier. vidéo sur la chaîne Mais avec immobilier. Donc, c'est cool. plaisir. Et si. Et toi, du coup, tu gères ton parc immobilier ou alors tu as aussi un truc à côté où tu aides les gens à les accompagner au niveau de l'immobilier? Non, bah ça, ouais, le coaching, non, j'ai fait un petit peu au début, mais en fait, ça Ouais, me tu as prenait commencé à laisser tomber. Ok. trop de temps. Et bon, mais là, non, là, je fais que gérer moi-même. Et pour l'instant, je fais tout moi-même. Et c'est pour ça que ça me prend énormément de temps. C'est quand même c'est très, très prenant. Ouais. Mais là, quand j'aurai fini mes rénovations de cette année, je pense que je prendrai un manager. Enfin, en fait, je veux pas déléguer à des agences IMO parce que en général, c'est beaucoup moins bien géré. Enfin, Ouais, c'est pas le top. que dans mon coin, c'est ce que j'ai. Mais embaucher en direct quelqu'un qui travaille que pour moi, Ouais. pour gérer Ça, c'est pas mal. les apparts, c'est un peu l'objectif. Ouais. C'est vrai que c'est bien de déléguer aussi, ça permet de se dégager du temps et se mettre uniquement sur ce qu'on préfère, quoi. Et là, on est le mieux. Ouais. C'est sympa. Ouais. Ok. J'adore la déco. Ouais, toi, tu te focalises plus, par exemple, sur la déco, ouais, c'est ça. Et. Ouais, enfin, ça va être Ça. plus comme un gestionnaire de projet, enfin, je sais pas comment dire, parce que faut gérer les artistes, enfin, il y a plein de choses à gérer. Et ça t'aimes moins et du coup, tu le délègues. Ah non, si, j'aime, Ça, bah t'aimes bien si, aussi? j'aime bien, mais ça prend tellement de temps Ouais, ça prend du temps. qu'à un moment, on peut plutôt gérer, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, t'as bien raison. Ok. Bon, bah, on va se Et quitter là-dessus. ceux qui veulent le nom de la boîte qui gère mes cryptos, bah, ils ont Ah qu'à me oui. contacter. J'aurais Ok. des questions. Je vais pas parler de ça en. C'est. Ouais. Je Elle m'en est fous. à l'étrangère? Non, non. Enfin, Non, c'est pour ça? oui. C'est à l'étranger, c'est à l'international. Mais moi, c'est un représentant français. Mais sinon, D'accord. ils sont américains. C'est Ok. un. Ouais. Ok, c'est cool. Allô? Ouais, Allô? ça coupait, ça coupe. Attends. Allô? Ah oui, ça a coupé. La connexion, ça Je sais pas si. lag. Bon, bah nickel. On va se quitter là-dessus, alors je pense. On aura la rediff du live pour ceux qui veulent voir le live entier. Et sinon, voilà, hein, je crois qu'on a pratiquement tout dit. On n'a pas à parler, c'était cool. Ah, ça a dû couper encore. Ouais, ça coupe un peu. Ouais, non, là je t'entends. Ah, nickel. C'est vrai que ça fait un peu comme au début de live. Bon, bah nickel. Je te laisse là-dessus alors. On se laisse là-dessus. Ok. Eh ben, Merci merci bien et beaucoup et merci d'être puis passé, c'est cool. à la prochaine. À plus. Ciao. À plus, ciao. Là là, je suis fatigué, les gars. Ah, je vous jure, je suis hyper actif d'habitude. Il m'en faut peu pour me fatiguer, mais. Mais alors, enfin, il m'en faut beaucoup pour me fatiguer, mais là, les lives, c'est crevant, oh. Je vous promets. Bye, Anam. Ouais, c'était cool.
Donc j'aime bien avoir plusieurs personnes complètement différentes. Ça donne plein d'avis différents, c'est trop bien. C'était bien cool. Du coup, il y aura la rediff aussi pour ceux qui veulent voir. On va regarder rapidement les cryptos, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Y a pas mal de trucs à dire. Ouais, le format bien, ouais. Du coup, on fait ça là depuis 4 semaines à peu près. Vous pouvez voir les autres rediffs de live sur la chaîne secondaire. Il y a eu 4, je crois, invités, il me semble. Il y a eu Pepper White. Il y a eu Die The Run. Il y a eu Omelette au fromage. vos pseudos, ils me font trop rire. Et là, du coup, la quatrième, madame. Première femme qu'on a eue. peut-être la dernière. C'est vrai qu'elles sont pas nombreuses. Mais c'est vrai que c'est cool. C'est cool, au moins ça diversifie un peu. C'est vraiment cool. Du coup, merci. Il y a eu plein de subs. Il y a eu Zouz 89, Crisou, 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 Crisou 71, Cryptomatrix qui a envoyé 5 subs. 5 subs, Cryptomatrix. Je te les revaudrai, t'inquiète pas. Je passerai un de ces 4 sur ton live. Et Starkif qui nous a fait un petit sub aussi, c'est cool. Mais gardez votre argent, les gars. Investissez-le dans le marché, ça ira mieux. C'est plus rentable. Comment expliques-tu la chute du CHSB? Désolé, je bégaye un peu là parce que je suis fatigué. Mais le CHSB, il ne chute pas. C'est 8%. C'est rien du tout. Ça peut paraître beaucoup, mais regarde. Pendant cette période, tu vois, on s'est pris à moins 50%. Moins 50%, c'est énorme. Moins 50%. Et on était toujours en phase de range. Donc tu vois, pour moi, là, on est toujours en phase de range. Même si on s'est pris à moins 35%, on peut descendre encore plus bas. Pour moi, ça range toujours. Et voilà, on descend en court terme, mais on risque de remonter pour continuer à ranger, puis c'est ça va. En tout cas, je reste toujours positif pour le CHSB. Ouais, il y a beaucoup de messages. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Elon? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Elon? Il a changé sa photo. Ah, il a remis un tweet. Ah, je suis éclaté en anglais, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ah, il a craqué. Non, mais ce mec, c'est incroyable. Il troll. C'est un troller. Ouais, du coup, c'est pas mal. Du coup, il a fait pump le beacon à court terme. Mon trade, il doit être pas trop mal, je pense. Est-ce qu'on allait chercher les 60 000? Non, 56. Regardez ça! C'est magnifique! Je vous avais dit, juste avant le live, je vous avais dit, à la fin du live, j'espère que je serai à 400 $ de BNF. C'est chose faite. Mais là, comme je vous ai dit, pour ceux qui n'étaient pas là en début de live, je pense monter mon stop, en fait. Mon stop, par exemple, je vais le monter ici. Et puis, dès que le cours monte, en fait, si le cours il monte à 60 000 $, bah, je vais monter mon stop à 55 000. Au moins, peu importe ce qui se passe au niveau du marché, si le marché continue à monter, bah, je continue à monter mon stop, donc je continue à faire des profits. Et si le marché chute d'un coup, bah, il y a mon stop loss qui est juste en dessous. Donc ça, c'est pas mal. En tout cas, ouais, Beacon, intéressant. Vous voyez que en H4, il a très bien respecté ce qu'on avait vu. Pullback sur le biseau ascendant, rebondit sur un mode mobile 21 en H4. Avec le ruban et on repart to the moon. Et ça c'est beau. Ça c'est propre, ça c'est beau. C'est exactement ce qu'on veut voir. Du coup la target est 60 000. Je pense que ça devrait être fait. Peut-être pas. Ah je sais pas, si on est quand même vendredi. Donc il y a moyen que ce soit fait d'ici la fin du week-end. Je pensais pas que ça allait se faire aussi vite. Après ça peut vite retomber aussi, faites gaffe, mais ça a l'air d'être plutôt bien parti, hein. Pour l'instant on est plutôt bullish. Au niveau des grands gagnants, on a quoi? Oh le BNB. 72%. C'est de la folie. Il était à 60%, même pas d'ailleurs. Ah oui, il y a le concours! Putain, j'ai oublié le concours. Oh, il y avait le concours, j'ai oublié. Bon, on va faire le tirage au sort. Je l'avais complètement oublié ce concours. Il y a le concours de PrinxBT, les gars. Oh, il a sorti une vidéo. Il a sorti une vidéo sur Warren Buffett. Une musique. Ah non, mais c'est juste un gif. J'ai vu, il avait fait une musique. C'est vrai, il y a le concours, j'avais oublié. Vas-y, on va faire le concours. Juste avant, je vais regarder les grands gagnants, quel que soit pour qui continue à monter légèrement. Je lise. Je dis, je sais pas ce qui s'est passé, il y a dû avoir une news, c'est sûr. FTT, ouais, qui est pas mal. Et Vénus aussi qui pousse encore. Le Cro, c'est pas nouveau. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça pousse fort. Par contre, vous voyez, la Bitcoin dominance, elle est vraiment stable. Hein. Pile à 0%.
The Beacon pousse aussi. Binance Smart Chain on fire. J'ai trop hâte d'être aussi vendredi prochain pour avoir l'abonné qui est assez calé sur Binance Smart Chain. C'est intéressant. CVP, je sais pas ce que c'est. Bon, on va faire le tirage au sort. Avant qu'il soit trop tard. Tirage. Je sais plus sur quel site je l'avais fait la dernière fois. Il était vraiment pas mal. C'est peut-être lui. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai quand même regardé. Qu'est-ce que c'était? Comment on s'appelle les gars? Vous vous souvenez là, de la plateforme? La plateforme qu'on avait utilisée la dernière fois. Elle était vraiment bien. Tirage au sort, réseaux sociaux, faut que je mette. Vous en souvenez ou pas? Lil Bob. Ouais, attends, je vais aller voir Lil Bob ce qu'il a dit. Je vais mettre directement là, ce sera plus simple. Parce que tu te rappelles, je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais mis un commentaire et j'ai dit allez le liker pour qu'il le voie et tout. Je sais pas si du coup il l'a vu. Je peux pas aller voir. Non, il l'a même pas vu. Ah si, il l'a vu. Ah, je suis éclaté en anglais, les gars. Faut... Oh non, c'est un fake. Me dites pas que c'est un fake. Non, c'est un fake. Ah, vraiment, mais c'est fake. J'en peux plus. Il y en a partout. C'est un truc de fou. Si vous voyez un mec qui s'appelle du même pseudo que le créateur, par exemple, souvent, regardez dans les commentaires, il y a des mecs qui s'appellent Crypto Future avec le même logo et ils viennent vous dire je sais pas quoi, WhatsApp, machin. Mais faites gaffe, il y a trop de fake. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous allez directement sur son profil et vous allez dans à propos, signaler. Et vous faites complètement inapproprié. Et là, c'est usurpation d'identité. Et hop là, chaîne. Il me demande la chaîne qui usurpe. J'ai jamais réussi à le dire ce mot. Usurpation d'identité. C'est un peu la guerre quand même. Ah voilà. Vraiment, mais c'est fake, j'en peux plus. Ils pourrissent le domaine des cryptos. Pikewa, est-ce que c'est ça? On va voir. Pik, tu l'écris comment? Pik. AW. Ah, c'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Ouais, mais peut-être lui, il marche. On va essayer. On va essayer remettre un peu de musique. Ah, pas trop fort. Voilà, ça va. Dites-moi si c'est trop fort. Crée un concours. Bah voilà, ça a marché. Qu'il urzup. Ah ouais, mais je galère trop, les gars. Je suis dysphasique. Laisse tomber. Ah, le vocabulaire. Je le massacre, hein. La langue française, les gars, je l'ai massacré un nombre de fois. Même pas savoir. Mais bon, pas grave. Pas le plus important. Ils peuvent pas faire un truc simple, c'est fou. La dernière fois, c'était grave simple, c'est grave bien. Je sais plus ce que c'était comme tirage au sort. Comme site. C'est quoi ton mix? Je sais pas, j'ai mis musique no copyright sur YouTube. J'ai pris la première. Ah, c'est peut-être lui là, Cherry Pop. Non, c'est pas lui. On peut essayer. Mais ça, c'est aussi une complexité en vrai, juste pour faire un tirage de sort. La dernière fois, c'était grave bien parce que t'as juste à mettre le lien du tweet et c'était fait en 2 secondes. Non, c'est pas lui.
pas ça. Pico, ouais, mais Pico, j'ai pas l'impression que ça marche. Non, c'est Facebook. Je vais mettre concours. Twitter. Tirage. Ah, là j'ai trouvé. Mais non, ils me remettent le même. Allez, on va essayer ça. Ah, c'est lui. Oui, c'est lui. Yes, enfin. Oh, je vais le mettre en favori, lui. Hop là, favori. Oh, enfin. Ok. On va prendre le réel. C'était combien déjà gagné? J'ai oublié. 5 codes. Ok, il y a 5 codes à avoir. Tac. Dites-moi si c'est trop fort la musique, je pense pas. Moi, ça va être bon. Ah oui, je vais rechanger. Chat écran. Oh, la transition. Magnifique. Début. Là. Non. Ah, si, c'est bon. On va pas remettre les paramètres. Oh, 317 participants. Vous êtes moins nombreux. Il y a moyen que vous soyez tiré au sort parce que 317, il y a combien? 5 gagnants? Donc ça vous fait une chance sur 63. C'est quand même pas mal. Enfin, c'est pas non plus la folie, mais ouais, il y a quand même moyen. Gagnant 5, on a dit. C'est bien ça. 5 codes, ouais. Fête des mères. On va mettre PrimeXBT. Vous êtes prêts? Compte à rebours. Oh, mettre 3 secondes, ça suffit. Suppléant. Non, pas de suppléant. On peut pas. Ok, confirmé. Vous êtes prêts? J'ai pas Twitter. Bah tant pis. Confirmé. Ah merde, début. Et les gagnants sont. Est-ce que vous êtes dans le chat? Ce serait cool en vrai. Yo 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 yo. Vous êtes ces pseudos, ça me tue à chaque fois. Arménie 65. Mega. Account Marked. Et Runter B2B. TW. Je vais prendre ça en screen et on vous enverra tout ça. C'est cool les petits concours comme ça avec les résultats en live. Ah, une bonne chose de faite, on pourra enlever ça, désépingler. Hop. Qu'est-ce que ça? Merde, pourquoi j'ai eu Dieu? Qu'est-ce que ça donne, le Bitcoin? Ça bouge pas trop. Bon, on va se quitter là-dessus, hein, je crois. 2h18 de live. Je comprends pas. Vraiment, j'arrive pas à comprendre comment les mecs, ils arrivent à faire 15 heures de live d'affilée. C'est impossible, clairement. Rester 15 heures assis sur sa chaise sans bouger, mais c'est pas possible. Tu pètes un câble. Ouais, vous inquiétez pas, les gars, au court terme. J'ai vu. Ah, Vico, il descend grave au niveau du court terme. Mais t'inquiète pas, regarde, c'est. C'est quoi, 7% de baisse au niveau du court terme, c'est pas grand chose. Mais enfin, c'est pas mal, mais je veux dire, faut pas paniquer pour ça. Mais comme je vous ai dit, moi je vois plus le Bitcoin superformer là. Logiquement, si on suit ce qu'il a fait dans le passé, il devrait superformer les altcoins là durant cette phase haussière. Donc moi je me suis un peu allégé au niveau des altcoins et je suis plus pas repassé en Bitcoin. Par contre, je vous cache pas que les altcoins de la Binance Smart Chain, ils font un peu exception à la règle. Ils sont pas mal. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, on va aller host notre copain Supral. On va lui faire plaisir. Ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Salut Troubi, bonne soirée. Troubi09. Tu passeras toi un de ces quatre sur le live. Ou bien se former. Bah. T'as deux méthodes pour former, soit tu payes une formation et tu vas apprendre beaucoup plus vite, tu auras de la bonne qualité ou de la mauvaise qualité, ça dépend vraiment de la formation.
Ou alors t'apprends par toi-même. Mais par contre c'est beaucoup plus long. Parce que t'as pas tout qui est condensé en fait. Mais ce que je te conseille de faire, hein, la meilleure façon de se former, c'est d'apprendre par soi-même. Tu vas sur le marché et t'encaisses les baisses, t'encaisses les hausses, et tu vis un bull run, tu vis un bear market, tu vis un pire d'accumulation et après t'es calé quoi. C'est la meilleure chose à faire. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Oh sinon, ouais, c'est l'expérience du marché en vrai, ça s'apprend pas du jour au lendemain quoi. Ledger, tu conseilles? Ah, il y a une nouvelle. Vous allez voir, dans la semaine là, normalement, je vais vous présenter une nouvelle, un nouveau moyen de sécuriser ses cryptos. C'est un hardware wallet. Il est vraiment pas mal. J'ai reçu là chez moi. J'ai testé. Donc, je vous en ferai la présentation. Peut-être cool. Alors, on s'est raid. Ouais, ça vous êtes prêt. Petite transition. Faut pas que je me foire. Ah, je vais vous mettre la fameuse musique. Vous entendez là, j'espère. Et on va faire un petit raid. Restez bien, on va faire un raid. D'ailleurs, il va être content. On va faire un raid à Supral. Parlez-lui de crypto. Parlez-lui de US. Vu qu'il est dans le gaming. Bon allez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous laisse là-dessus les amis, c'était vraiment mon live, hein. Super cool la NAM, c'est vraiment cool de l'avoir. C'est du bien d'avoir, ça a changé un peu d'avoir une fille au lieu de toujours les hommes. Mais bon après, elles sont que 4%, donc c'est compliqué d'en avoir tout le temps, mais c'est vrai que c'était cool. Ah bah t'es dans le chat en plus, c'est cool. Et du coup il y aura la rediff du live. Il y aura la rediff du live, les gars, demain normalement. 24 heures après, parce que je dois obligé d'attendre 24 heures avec Twitch. En tout cas, il y aura la rediff du live demain si vous voulez la voir. Ce sera cool. Et sinon, voilà, hein, tout ce que je vais vous dire. Tout ce que je vais vous dire, comme je vous le dis en fin de vidéo YouTube. Tout ce que je vais vous dire. Et sinon, demain, ouais, vidéo sur YouTube. Et dimanche, et le prochain live, ce sera lundi. Et j'espère que d'ici là, le beacon sera à 60 000 euros. Ça serait beau. Donc, voilà. Ouais. Bonne nuit à tous et à plus. Et que la crypto vous porte conseil. Que la crypto vous porte conseil cette nuit. Bonne nuit à tous. Is it red like the paint on the walls of the living room? We had a W outside again at the dark of the lake, where I got all the colors, but your heart's made of rubber. I'm done. Mistook you for a lover, your heart's made of rubber. I'm done. Where I got all the colors, but your heart's made of rubber.